Bonjour, voilà une semaine que j'ai terminé Comment tout peut s'effondrer. Que ce livre a mis fin à mes doutes quant à la possibilité d'un avenir normal, ressemblant à notre quotidien actuel. J'ai toujours eu le pressentiment que tout risquait de s'effondrer. Vous avez mis fin à ces questionnements, mais vous en avez soulevé un million d'autres. Comment y croire? Je me suis engagé d'ores et déjà envers Alternativa. On est en train de construire un potager avec nos voisins, on a installé des récupérateurs d'eau de pluie, on limite nos déplacements en voiture depuis des années, on privilégie le local, le bio, je suis végétarienne, je suis dans l'action. Malgré ça, j'ai mal chaque matin en ouvrant les yeux. J'ai mal pour ma fille de 9 mois. Je pense tomber doucement dans la dépression, au risque de gâcher les dernières années normales que je peux partager avec elle. J'ai peur pour mes proches qui ne veulent pas y croire. Comment avez-vous fait ? Vous parlez d'espoir obligatoire, de active hope, comme dit John Amessi, mais c'est chaque jour que le même processus se répète. Tout me revient en pleine face, la colère arrive, puis une profonde peine, et enfin l'envie de croire. Mais comment y croire? Je perds pied, je perds la foi en l'humanité chaque matin. Merci de m'avoir lu. Voilà, bah pour le coup, je suis retourné au Littré, qui se trompe jamais, et il nous dit que émotion, dans le français entre le 17e et le 19e siècle, ça dit deux choses, ça dit certes ces mouvements de l'esprit et de l'humeur qui nous animent, mais ça dit aussi, et je trouve qu'on l'a perdu et que c'est quelque chose de précieux, un mouvement à l'intérieur d'une population, pas quelque chose de nécessairement individuel. Une émotion, c'est aussi quelque chose qui peut traverser un groupe de personnes. Par exemple, nous ce soir, quand on écoute Servigne ou peut-être encore d'autres groupes qui restent à trouver et à inventer. Alors, toujours pareil, je vais un cran plus loin dans l'expression de ces sentiments lourds chez des collapsologues. Donc là, c'est un groupe qui s'appelle toujours les limites à la croissance. Et il y a quelqu'un qui pose un message que je vous disais un petit peu tout à l'heure en parlant, en s'adressant aux autres membres du groupe comme des camarades de déprime. Donc lui, ben voilà, il est à Paris, il s'est bien investi dans la collapsologie, en tout cas de son côté, et puis il tend la main aux gens de son groupe en leur disant ben, on peut se prendre une bière, on se retrouve quelque part sur une ligne de métro. Et il dit bien, j'ai surtout la certitude que ce genre de situation ne s'apprend pas tout seul. Il s'appelle Pierre, ce garçon, il poste ça en octobre, et j'aurais pas dû vous dire que c'était Pierre. Il s'appelle P, et on va s'arrêter là, puisqu'on va essayer d'anonymiser quand même ce genre de choses. En sachant que je l'ai contacté pour lui demander si je pouvais utiliser son témoignage, c'est un groupe public, et il m'a pas répondu, et je vous raconterai après, au fil de l'exposé, ce que P, appelons-le Pedro, ce que Pedro est... Et donc voilà, il tend la main, comme ce qu'on fait ce soir, pour une rencontre avec d'autres gens qui s'intéressent à la collapsologie, parce qu'il ne veut pas rester seul. Alors, maintenant je vous renvoie la question, et pour le coup, vous allez pouvoir vous exprimer de façon anonyme, vous serez tous des Pedro. Est-ce que, de votre côté, vous avez déjà exprimé des émotions difficiles en abordant une source liée à la collapsologie? Réponse 1, jamais. Réponse 2, parfois. Réponse 3, clairement oui, et réponse 4, sans opinion. Vous vous êtes réservé. Ok, merci. Donc, c'est quelque chose qui ne vous paraît pas absurde. En tout cas, il n'y a que 10% d'entre vous qui n'a jamais ressenti cette lourdeur existentielle face à la collapsologie. Et puis, j'avais une autre question par la suite. Allez-y, c'est ouvert. Est-ce que vous êtes déjà trouvé dans une... Autant pour moi. Ouais, voilà, allez-y, c'est bon. Est-ce que vous êtes déjà trouvé dans une difficulté émotionnelle particulière, de l'impatience, par exemple, de la colère ou de l'incompréhension, en parlant de collapsologie à un proche? Réponse 1, jamais. 2, parfois. 3, clairement oui. 4, sans opinion. Ok, merci. Donc, c'est pas absurde. Enfin, là aussi, je pense que c'est pas absurde d'en parler, loin de là.
Alors, ce que proposent les textes de, notamment de Servigne, en fait, pour commencer à comprendre au moins ce qui se passe, c'est la courbe du deuil. C'est un emprunt qu'il fait à une psychologue qui s'appelle Elisabeth Kübler-Ross et qui a travaillé sur le deuil, elle-même une histoire, pour le coup, qui est loin d'être légère, au lendemain, enfin, pendant et au lendemain dans sa famille, pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, elle a modélisé dans les années 50 cette courbe du deuil qui est devenue finalement une espèce de grammaire immédiate de la compréhension de ce qui se passe quand on doit faire un deuil, en disant on commence toujours par... On commencerait toujours par une phase de déni, puis après on passe par différentes phases. Alors des fois on peut alterner, on peut revenir en arrière, c'est pas que linéaire hein, comme approche, qu'elle précise bien, ce que Servigne aussi précise bien. Après le déni, donc on a une phase de colère. Après la colère, c'est le marchandage, la négociation avec l'annonce du deuil, une façon de l'éloigner. Il y a une phase de dépression, puis après on remonte la pente avec la pratique du pardon. On retrouve le sens du renouveau et on redonne du sens, un sens actualisé à sa vie quand on a pu faire le deuil de ce qu'on a perdu. Et puis après, un retour à l'état initial de croissance ou de sérénité. Alors il me semble, après on pourra en parler, mais il me semble que c'est très révélateur le fait de faire ce genre d'emprunt, de la tentation de plein de collapsologues qui vont faire du cherry picking dans différentes disciplines pour finalement composer avec les difficultés conceptuelles qu'ils ont. Et on verra que Johanna Messi, dans une certaine mesure, à mon avis, a fait la même chose, mais pour en parler, c'est sujet à débat. Et puis, en plus, que c'est pas nécessairement, alors ça c'est personnel, c'est pas nécessairement l'emprunt le plus opérant. Chez Fourcade, dont Julie va vous reparler beaucoup par ailleurs, c'est quelqu'un qui est considéré comme un des grands collapsologues. En tout cas, c'est une source de référence qui a été très très souvent évoquée. Et lui, clairement, au moins sur la fin de sa vie, depuis plusieurs années, il a fermé ce livre. Il s'intéresse plus à ça. Enfin, clairement, il ne travaille plus. Voilà, il y a eu un moment où peut-être trop de collapsologie, rejet, pour des raisons qui lui appartiennent. En tout cas, le fait est qu'il s'y appartient. Il n'en parle plus. Michael Ruppert, on avait regardé la vidéo pour ceux qui étaient à la séance inaugurale. Michael Ruppert, qui est pareil, à mon avis, un des grands ancêtres de la collapsologie. Enfin, grands ancêtres, c'est. Voilà, enfin, c'était il y a 10 ans. Le fait est qu'il a fini par se suicider et que dans la vidéo qu'on avait regardée, il avait des fois les larmes aux yeux hein, quand il parlait de collapsologie. Donc c'est pas un truc léger. Et l'issue, en fait, c'est pas nécessairement le retour à la situation initiale. Alors moi, je vais pas m'apesantir dessus parce que c'est vraiment brouillon. Mais ce que je vous propose, c'est une alternative ou un complément à la courbe du deuil. Il me semble, pour avoir lu encore une fois pas mal de témoignages de collapsologues, et puis que pour essayer moi aussi égotiquement de me projeter là-dedans, mais il me semble qu'en fait les phases de la collapsologie, puis je vais être volontairement très linéaire, ça commence avec de la sidération. Souvenez-vous, quand vous avez découvert ces grandes notions, il y a quand même quelque chose d'un peu vertigineux, et puis on est un peu dans notre compréhension et dans nos émotions, on est un peu inhibé. Après, il y a quelque chose de l'ordre de la colère qui se passe, on est un peu écœuré par ce qu'on voit, et puis on peut plus voir les actualités des FM, de la même façon. Et on a la tentation de l'activisme, et puis d'être en colère assez fort. Après ça, et typiquement, personnellement, pour vous raconter ma vie, qui est super intéressante, c'est là que j'en suis un petit peu, c'est dans ce moment où finalement, un peu ce que j'essaye de faire ce soir avec vous, c'est de trouver des gens avec qui en parler et avec pour avoir un minimum d'empathie en retour, et après se poser la question de qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on se fait. Il y a des réponses qui sont à peu près unanimement promues dans la méditation, et en particulier dans des emprunts, nouveaux gros pôles de référence d'emprunts dans le bouddhisme. On va beaucoup en parler ce soir. On pourra mettre des tas de nuances là aussi. Et puis après, alors là par contre, clairement, je vous l'annonce tout de suite, et vous allez voir que ça va émailler tous nos exposés à tous les trois. Vraiment, le point commun, c'est la planche de salut, c'est l'action. C'est-à-dire que si jamais vous participez de ce sentiment lourd et difficile face à la collapsologie et que vous voulez le dépasser, ce qu'on peut vous souhaiter de mieux,
parce que ça marche tout simplement pour le dépasser, bah, c'est de vous trouver des choses bien concrètes à faire et de vous y atteler. Et puis après, la case noire avec un point d'interrogation, c'est le grand saut. Alors pour Rupert, ça s'appelle le suicide. Pour chez Fourcasse, ça s'appelle je passe à autre chose. Et puis bah, pour vous, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vous inviterai pas à vous prononcer à Thion pour aller revenir, mais je pense que comme cheminement. Ouais. Alors, le problème du suicide, pour le coup, c'est que ça se déclare pas bien. Je passe la parole à Julie, mais voilà pour cette introduction sur finalement la première caractérisation des sentiments lourds inhérents à la collapsologie. Donc, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Julie Jonnet. Je recommence. C'est bon là si je parle comme ça ? Ouais, okay. Donc, je m'appelle Julie Bonnet, je suis microbiologiste de formation. J'ai soutenu ma thèse il y a un an et en fait depuis j'ai décidé de sortir de la recherche publique pour tout un tas de raisons liées à ce que j'ai appris sur l'effondrement. Donc juste pour que vous ayez un peu, vous voyez pourquoi j'interviens ce soir, parce que je ne suis pas psychologue et j'ai aucune compétence là-dedans, hormis ce que j'ai pu apprendre de différentes références. Mais on va dire que ça fait 4 ans que je m'intéresse et que j'étudie plein de choses liées à l'effondrement. Ça fait un an et demi que j'ai appris la notion de collapsologie. Et voilà, donc là, c'était juste pour vous montrer quelques références. J'ai beaucoup appris et mon discours va être beaucoup fourni par ces références, entre autres, et d'autres qu'on vous mettra en annexe. Mais voilà, donc moi, dans la collapsologie, je me suis intéressée et je m'intéresse à l'histoire de l'humanité et des effondrements, notamment donc une référence, c'est les livres de Jared Diamonds, aussi à ce qu'on peut mettre en action actuellement et dans l'avenir, donc la permaculture, la transition, et aussi, et c'est pour ça que je suis là ce soir, tiens, la résilience psychologique qui pour moi est indissociable de toutes ces autres choses. Ok, donc on va commencer. Avant d'être un collapsologue averti et de se poser des questions très complexes sur ce sujet, il faut déjà avoir conscience de l'effondrement. Et pour arriver à ça, il y a tout un tas de biais cognitifs et affectifs qui sont présents chez nous. Et donc voilà, ça va faire l'objet de cette première partie. Donc comment se fabriquent les bonnes raisons pour ne plus trop s'en faire ? Alors on voit, on l'observe, je pense tous par nous-mêmes, qu'il y a une certaine inaction de la société face à ces problèmes, malgré un nombre de plus en plus important d'alertes. Et cette inaction est aussi présentée de plus en plus par certains journaux. Donc différentes explications sont proposées. Et ce soir, on va vous en montrer différentes. Donc on a lu les travaux de plusieurs psychologues, mais je suis sûre qu'il y en a tout un tas d'autres. Donc si vous avez aussi d'autres propositions que vous pourrez nous apporter pendant la discussion, ce sera bienvenu. Donc tout d'abord, les travaux de Robert Gifford, donc c'est un psychologue qui a étudié la psychologie de l'action et l'inaction pour le climat, et il présente des barrières qui sont d'abord structurelles dans notre société, au niveau économique, géophysique, la tentation technologique, des infrastructures inadaptées. Typiquement, bah, toute notre société est faite pour utiliser la voiture, le pétrole, etc. Et donc c'est difficile de sortir de ça et de changer ces choses-là. Et ça, c'est indépendamment de notre personne, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas faire changer les choses. Et aussi des contraintes politiques qui sont plus ou moins fortes en fonction du pays dans lequel on vit. Et à ces barrières-là, je voulais rajouter une barrière qui tient à la façon dont on s'informe, le rapport médiatique. Maintenant, avec Internet, on a accès à tout un tas d'informations extrêmement intéressantes, mais le problème, c'est que la plupart sont noyées dans un tas d'informations qui ne sont pas pertinentes. Et donc, on a de la désinformation, on voit les effets actuellement, depuis plusieurs mois, des fake news. Et tout ça pour conclure qu'en fait, la réalité, notre réalité, elle est déformée et disproportionnée. Olivia, si tu veux en dire un mot. Robert Gifford, je m'étais intéressée à ses travaux lors de mon master en économie et psychologie, parce qu'à la base, en fait, toutes les théories économiques classiques sont basées, entre autres, sur un axiome qui est que
l'homme est rationnel, ce qui n'est pas du tout vrai. Et en fait, par rapport donc, aux travaux de Gifford, il pointe du doigt les biais cognitifs, surtout que malgré le fait que ça fait des années qu'on entend parler du réchauffement climatique et que bon, le scepticisme, c'est bien gentil, mais au bout d'un moment, c'est plus au final pour se protéger, se voiler la face. Et j'ai pas du tout préparé mon speech, je suis très mal à l'aise à l'oral, merci. Mais donc voilà, il y a certains biais assez faciles à parler, c'est par exemple, par rapport au titre, par exemple, comment on crée nos habitudes. Vu qu'on est dans un monde assez complexe, notre cerveau va créer des habitudes. On pourrait croire que c'est négatif, mais non, c'est sans ces habitudes-là, en fait, on n'arrive vraiment pas tout à gérer. Et donc, le fait d'avoir toujours ces petites habitudes, dès qu'il y a des changements, ça va être très dur de les dépasser. Et c'est pas une histoire de volonté, c'est comme ça qu'est structuré notre cerveau. Et enfin, voilà, il y a plein de biais cognitifs qui ont été très bien détaillés par Robert Gifford. Ouais, voilà. Peut-être, merci d'avoir partagé la référence. On a mis le PDF, enfin vous retrouverez le PDF de cet article de référence sur le Drive si vous voulez aller plus loin. Et puis bah, avec Julie, on a trouvé des cousins à Gifford. Alors je sais pas si tu les connaissais, Olivia, ce monsieur. Espen. Non. Donc vous pourrez aller voir le TED Talk qu'il a fait sur ses travaux. Donc c'est un peu le même principe. Il présente lui 5 barrières psychologiques, et ce qui est intéressant, c'est qu'il propose aussi 5 entre guillemets solutions à ces barrières. Donc pour les lister rapidement, il y a une barrière psychologique qui est la distance. La distance dans le temps, elle peut être dans le temps, espace social. Typiquement, ce qui va se passer en 2050, en 2100, c'est très difficile pour nous de l'intégrer et de faire des actions maintenant pour ce qui arrivera dans 2050 ou en 2100. Dans l'espace, c'est ce qui va se passer à l'autre bout de la planète, et social, c'est si c'est dans un autre pays, une autre culture, ça nous touche moins. Et on va moins facilement passer à l'action. Et donc la solution, c'est de rendre les choses plus personnelles, notamment. Ensuite, il y a le catastrophisme, pardon. Donc lui, qui génère de la peur. Et en fait, ça, c'est très intéressant, et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'inaction. C'est qu'en fait, on a un excès de ce qu'il appelle du porno de la catastrophe. Maintenant, dans les médias, tous les jours, on peut trouver des articles qui nous disent que ça va être très compliqué, l'extinction de masse des espèces, le réchauffement climatique, etc. Mais on voit ça tous les jours, et en fait, on finit par s'y habituer et être désensibilisé. Et donc, ça n'a plus aucun effet sur nous. Voilà, ensuite il y a la dissonance cognitive, donc ça c'est le fait que le malaise dû aux contradictions entre ce qu'on fait et ce qu'on devrait faire est important, et en fait on finit par se créer des justifications pour se sentir mieux par rapport à ça. Le déni, c'est quand on a vraiment... Il y a une très grande différence, et que ça génère aussi de la peur et de la culpabilité, et qu'au final, donc c'est pas volontaire, c'est notre cerveau qui met ça en place, mais on va agir comme si on ne le savait pas au final. Et il y a aussi notre identité culturelle, donc la culture dans laquelle on est, on a une pression sociale aussi qui va nous empêcher de passer à l'action comme on voudrait à l'échelle individuelle. Donc voilà, je vous laisserai aller voir tout ça pour en détail et les solutions à mettre en place. Mais entre autres, il y a ce qui est très important et qui ressort aussi chez pas mal de collapsologues actuellement, c'est l'importance de créer de nouveaux imaginaires, de raconter des histoires, d'inspirer les gens pour qu'ils changent leur identité, qu'ils trouvent des actions qui leur correspondent. Donc ça, c'est aussi une autre approche, donc on n'a pas creusé le sujet, c'est George Marshall, donc son livre Le syndrome de l'autruche, donc pareil, ça explique également des barrières psychologiques qu'on a, et donc on ne connaît pas vraiment la source, mais a priori c'est quelque chose de très intéressant, si ça vous intéresse. C'est un bon bouquin, vous vous enfermez ? Ok. Là, on a des trucs, des dissonances cognitives, un peu de ce que vous avez parlé, il fait toute une synthèse. C'est un gars qui était chez Greenpeace avant, chargé de com chez Greenpeace. En fait, il a voulu aller enquêter auprès de climato-sceptiques
d'évangélistes, de plein de gens qui sont un peu dans ce déni du changement climatique pour comprendre comment ils fonctionnent dans leur tête. Il a rapproché ça des théories psychologiques, donc c'est hyper drôle à lire, hyper intéressant. Ok. Merci pour la confirmation. Ouais. Alors, dans les autres choses qui font qu'on peut finalement assez facilement repousser les perspectives de collapse, bah, je pense, mais là c'est moins étayé, c'est plus subjectif, mais je pense que l'accumulation des appels, et il me semble en plus l'accélération de l'accumulation des appels, finalement, bah, ça rend tout ça très... ça fait une espèce de bruit de fond vaguement catastrophiste auquel on s'est habitué. Je vous en parle aussi parce qu'on a découvert en grattant un peu le sujet qu'au début de... En fait, depuis le rapport Meadows, ce texte vraiment fondateur de 72, bah, on sait que les climatologues qui étaient peut-être les premiers ou les plus exposés aux médias, en fait, étaient vite assez fatigués de tirer des sonnettes d'alarme en prenant des fois un petit peu des pincettes de réserve parce que c'était des scientifiques qui travaillent bien, c'est-à-dire que quand ils ont un doute, eh ben, ils l'assument, et parce que bah, ils faisaient peut-être pas le marketing politique qu'il fallait pour promouvoir ce genre de notions qui sont difficiles. Mais ça, c'était en 72 avec le rapport Meadows. Puis après, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais il me semble qu'on a là aussi un beau cas de courbe exponentielle d'accélération des appels. J'ai l'impression que maintenant c'est toutes les deux semaines qu'il y a une nouvelle pétition ou un nouveau truc à signer. Et pour être poli, ça marche pas terrible. Voilà. Donc voilà, c'était juste histoire de dire que il peut y avoir aussi une fatigue politique autour de ça. Et puis aussi, il faut relativiser. Alors, je l'avais déjà un petit peu fait pendant la séance inaugurale. Là, c'est une mesure de l'audience, de ce que vous voyez, la courbe bleue et la courbe rouge. C'est une mesure une semaine avant la manifestation des Gilets jaunes, de l'intérêt comparé des marches pour le climat en bleu et des Gilets jaunes en rouge. Alors que là, on est une semaine avant. Tout ça pour vous dire quoi ? Que, bah, objectivement, nous, entre nous, peut-être qu'on est très concernés, puis on a peut-être des convictions, et j'ai pas du tout envie d'opposer, surtout à ce stade, je les ai pas rencontrés, je les ai pas entendus, mais bah, des gens qui aspirent à une meilleure qualité de vie et au maintien ou à la restauration de leur mode de vie d'un côté, et puis nous qui essayons d'anticiper la perte, en tous les sens de perte, la perte probable de notre mode de vie. Toujours est-il que ils ont beaucoup, voilà, il faut regarder les choses en face, les Gilets jaunes ont beaucoup plus d'audience et font beaucoup plus de bruit que par exemple les gens qui marchent pour le climat. Et en sachant que dans les gens qui marchent pour le climat, il y a des alternativas, des verts conventionnels qui ne se reconnaissent pas du tout parmi les collapsologues. Les collapsonautes, collapsologues, je ne sais pas comment on les appelle, mais a priori, il y a même un problème, même si personnellement j'ai pu marcher avec eux, bah, je sais qu'on n'aura pas les mêmes, on n'aura pas les mêmes préconisations, les mêmes lignes d'action. Alors, voilà, un article de Pour la Science, je vais le passer parce qu'on a déjà été pas mal bavard, puis je rends la parole à Julie. Puis il y a un autre point qui est très important, en fait, c'est que cette notion d'effondrement de collapsologie, elle fait appel à beaucoup de domaines différents, d'expertises différentes, et ça appelle à la notion de complexité. Et donc là, c'est une référence à Edgar Morin, qui l'explique bien mieux que moi, mais en fait, dans notre culture, dans notre éducation, on ne nous a pas appris à penser de façon complexe. On pense tout en silo, de façon séparée, et on ne fait plus les liens et les interconnexions, les interdépendances entre les différents domaines. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut penser et auquel il faut changer ça, en fait, si on veut trouver des solutions à un système qui est extrêmement complexe. Il faut qu'on rentre aussi dans cette complexité. Et donc, pour illustrer cette complexité dans le cadre de l'effondrement, je vais présenter ici la métaphore d'Arthur Keller, qui est un ingénieur qui fait partie d'Adrastia. Et lui, présente cette complexité sous la forme de la métaphore des sept sphères. Donc, notre planète a sept sphères naturelles. L'atmosphère, donc, qui présente actuellement différents problèmes, donc l'effet de serre, le dérèglement climatique, l'amplification des catastrophes, pardon.
la cryosphère, donc on observe la fonte des glaces, la fonte du permafrost qui pourrait aboutir à un relargage d'une quantité de méthane très importante, de mercure et la libération de pathogènes. La biosphère dont on fait partie, donc là on observe la sixième extinction de masse des espèces due à l'activité humaine. Et au niveau des végétaux, on a la déforestation qui induit l'effondrement des écosystèmes et globalement, on a aussi une pollution de toute la biosphère. Au niveau de l'hydrosphère, on a la pollution, l'acidification des océans qui est liée à l'émission de CO2 dans l'atmosphère, qui induit de l'anoxie. On estime actuellement que la montée des eaux irait de 1 à 7 mètres d'ici 2100 et on a un épuisement et une pollution des ressources en eau potable. Au niveau de la géosphère, on a un épuisement de certaines ressources, l'érosion des sols, la désertification et aussi de la pollution. Donc là, je vais volontairement rapidement sur tous ces faits et je pense que ça pourrait être détaillé dans d'autres cafés collapse. Et donc, sur ces cinq sphères naturelles, Arthur Keller propose d'ajouter deux sphères humaines, entre guillemets. Donc l'anthroposphère, qui est l'ensemble des activités humaines, et la technosphère, qui est l'ensemble des productions humaines. Et on sait et on se rend bien compte que ces deux sphères vont avoir un impact sur toutes les autres sphères. Et ce qui est important de noter, c'est qu'en fait, on a une interdépendance et une interconnexion entre toutes ces sphères. Un problème dans l'un va aller impacter toutes ces autres sphères. Et c'est dans un système autorégulateur, donc c'est pour ça que quand on agit quelque part, ben, en fait, on va aussi déréguler les autres, bien qu'il soit à la base dans un état un peu plus stable. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que l'humanité dérégule massivement ses autres sphères, et donc elle ne peut pas rester stable et en bonne santé dans l'état qu'elle est en train de générer. Donc voilà, pour illustrer l'activité de l'homme sur la planète, ce qu'on observe actuellement, c'est ce qu'on appelle la grande accélération. On a une grande accélération de l'activité humaine, dans l'utilisation des ressources, la production de pollution, etc. Et bah, c'est directement corrélé du coup à l'accélération du changement climatique. Donc c'est très compliqué à comprendre et pour le cerveau humain, on n'est pas capable à nous seuls de comprendre et d'intégrer toutes ces notions. Et ça amène une autre difficulté qui est qu'en fait, donc ici je cite Yuval Noah Harari qui est un historien et écrivain et qui dit qu'en fait plus personne ne comprend le système et donc plus personne ne peut l'arrêter. Et quand on lit ça, ça... On peut se dire qu'en fait tout est foutu, on va être voilà, on se résume, on est fataliste et qu'il n'y a plus rien à faire. Mais non, c'est pas là où ils vont en venir. Et en fait, ouais. C'est là que il fallait qu'on trouve une habile transition qui s'est perdue en route. Ouais, là on vient de faire un panorama on pense patient mais assez exhaustif de toutes les façons, les biais cognitifs pour parler, toutes les façons qu'on a d'éloigner ce problème. Alors on pourrait se dire, mais en fait c'est tellement compliqué, on a tellement peu de dispositions cognitives pour comprendre ce qui se passe, on a tellement de fake news, on a tellement de mécanismes de rejet, notamment ceux qui ont été montrés par les trolls différents d'autres, que, mais en fait pourquoi est-ce que le problème revient? C'est super paradoxal. Pourquoi est-ce que des gens comme chez Fourcade, comme Servigne, et ben ils y comme Mignoreau, pourquoi est-ce qu'ils y consacrent leur vie malgré, parce qu'a priori ils sont câblés à peu près comme nous. Comment ça se fait que ce problème il soit rémanent, que si on s'intéresse à la collapsologie, il y a un moment où on n'arrive pas à se contenter de ces biais-là. Alors, c'est Vincent Mignoreau qui a apporté une réponse sur un biais qui s'appelle dissonance écologique, si tu veux en parler, ouais. Julie. Et donc, il cite quelque chose qui est très, très important à comprendre, c'est qu'il ne faut pas confondre l'imprédictibilité de l'avenir et le déterminisme thermodynamique. Le fait qu'on ne puisse pas prédire l'avenir, ça c'est quelque chose qui est non réfuté à ce jour, on ne peut pas prédire l'avenir. Par contre, si on se réfère aux lois physiques, chimiques qui existent sur notre planète et même à l'échelle de l'univers, il y a des choses qui sont...
qui vont forcément arriver. Donc, par exemple, le réchauffement climatique, on sait qu'il est en cours et on sait qu'il ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte. Ce n'est pas une prédiction, on peut en faire des prévisions, mais on peut avoir quand même des indices de ce qui va se passer dans les années à venir sans en faire une prédiction. Et donc on ne peut pas prédire l'avenir, mais par contre ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir sur ce qui va se passer dans les années à venir. Et là je citerai Antoine de Saint-Exupéry, préparer l'avenir ce n'est que fonder le présent, il n'est jamais que du présent à mettre en ordre, à quoi bon discuter cet héritage, l'avenir tu n'as point à le prévoir mais à le permettre. L'avenir ça va être ce qu'on va faire aujourd'hui, et ça, ça va avoir une influence sur ce qui va se passer ensuite. Et Simone Veil, l'avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien, c'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner notre vie à nous. Donc voilà, c'est pour sortir de ce fatalisme, de cette résignation, on a du pouvoir sur ce qui va se passer dans les années à venir, et en fait, c'est nous qui allons choisir ce qui va se passer. Mais pour décider de ce qu'on va faire, des choix qu'on va faire pour construire cet avenir, il faut déjà avoir conscience de l'effondrement et faire des choix éclairés pour la suite. Donc, on revient donc à Paul Scheffourka, dont Nicolas a parlé tout à l'heure. Paul Scheffourka, à la base, il est ingénieur, scientifique, et il s'est beaucoup intéressé à la thématique de l'effondrement. Et donc vous pourrez aller voir son blog où il a écrit tout un tas d'articles sur toutes ses observations et toutes ses conclusions. Et il présente une échelle de conscience par rapport à l'effondrement qui a été repris et citée sur le site d'Adrastia, qui est aussi citée par Pablo Servigne. Donc la première étape, c'est les personnes qui sont en sommeil profond. À cette étape-là, bah, les gens vivent dans la joie, ils n'ont pas de problème particulier. Il y a juste quelques sautes d'humeur au moment des élections ou lorsqu'il y a une augmentation de quelques centimes du prix de l'essence à la pompe. Ensuite, on a conscience d'un problème fondamental. Donc je pense que celui qui est le plus présent, c'est le réchauffement, le dérèglement climatique dont on nous parle partout. Donc là, voilà, à cette étape 2, en fait, les gens peuvent devenir militants vraiment pour cette unique cause qu'ils considèrent comme le seul problème qu'il y a sur la Terre. Au niveau 3, on a conscience de nombreux problèmes qui sont en général liés au premier problème auquel on s'était intéressé. Typiquement, je sais pas, le réchauffement climatique et la fonte des glaces. Et ce qui est intéressant à ce niveau-là, que Paul Scheffourka précise, c'est que les gens à ce niveau-là vont être réticents à prendre en considération d'autres problèmes, parce qu'ils estiment que les problèmes qu'ils ont identifiés sont les plus importants sur la planète, et que s'intéresser à d'autres problèmes serait une perte de temps qu'ils n'utiliseraient pas pour militer, pour agir contre les problèmes qu'ils ont identifiés. Et ça, je trouve ça très intéressant, cette échelle, pour nous, pour essayer de se placer, mais aussi par rapport à notre entourage. Parce qu'on va voir qu'on peut pas, il faut pas aborder les choses de la même manière avec une personne qui est au niveau 1, qui n'a conscience de rien de tout ça, une personne au niveau 3, qui, on le sait d'avance, va être réticente à écouter de nouveaux problèmes. Donc on n'aura pas la même approche. Le niveau 4, c'est on va prendre conscience des interconnexions entre ces nouveaux problèmes. Et là, la notion de solution, elle commence à ne plus avoir vraiment de valeur parce qu'on a une telle complexité, une telle ampleur qu'il n'y a pas vraiment de solution au problème, en fait. Et la cinquième, c'est la conscience d'une situation difficile. On parle même plus de problème, c'est une situation globale qui est difficile. Elle englobe tous les aspects de la vie à l'échelle de la société, de la planète et aussi à l'échelle personnelle. Et là, c'est vraiment tous nos actes, tout ce qu'on fait au jour le jour, on prend conscience de tout ce qui a un impact dans cette situation globale. Et là, il précise vraiment qu'à ce niveau 5, il y a un gros risque de dépression pour les personnes qui y sont. Il a identifié pour les personnes qui étaient au niveau 5 deux chemins. Donc ils sont pas, on peut être dans les deux chemins à la fois selon lui, mais je pense que c'est vrai. Donc le premier chemin, qui est le chemin intérieur de la résilience psychologique, donc là c'est vraiment une remise en question de la conscience de soi, de la conscience de notre appartenance, de notre place sur Terre, de la société. Et ça pourrait être résumé par la citation de Gandhi: « Devenez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et pour
guérir le monde, il faut d'abord commencer par se guérir soi-même. Et juste petite insiste, on pourra le remettre dans le débat, c'est un des premiers échos qu'on a trouvé à des traditions bouddhistes. Alors, ça devient peut-être un peu pointu et limite hors sujet, mais cette notion de chemin intérieur et de chemin extérieur, tourner vers soi, tourner vers les autres, c'est clairement un débat qui a traversé l'histoire du bouddhisme dans la différence entre ce qu'on appelle le grand véhicule et le petit véhicule. Et on en reparlera ou pas si ça vous intéresse dans le débat. Donc voilà, et Paul Cheffoucat typiquement a décidé de se consacrer qu'à son chemin intérieur. Il s'est retiré du domaine de la collapsologie et il a décidé de s'isoler tout ça pour rester sur son chemin intérieur. Le deuxième chemin, c'est le chemin extérieur, qui est celui de l'adaptation et la résilience. Et là, je rajouterai en fait que c'est très important d'être lucide et bien informé sur la situation actuelle pour faire des choix éclairés dans notre vie. Et donc, des exemples typiques, ça va être les réseaux de transition, la permaculture, le développement communautaire, les initiatives locales. Juste une précision, il dit qu'il y a aussi un risque de rester bloqué dans une impasse. Si on n'est pas du tout ouvert au chemin intérieur, et si pour des raisons X ou Y, on ne peut pas aller dans le chemin extérieur, on peut rester bloqué. Et à ce moment-là, si on voit des personnes dans cette situation, c'est important de les aider, de les accompagner pour pas qu'elles restent dans cette impasse. Donc voilà, ça c'est uniquement ses observations personnelles. Après, on y adhère, on n'y adhère pas, c'est à chacun de faire son avis. Et d'après ses observations, qui n'ont du coup rien de scientifique, d'après lui, il y aurait une personne sur 10 qui passe à l'échelle d'au-dessus. Et du coup, au final, il y aurait qu'une personne sur 10 000 sur la planète qui serait à l'échelle 5 de conscience. Et avec une tendance plus forte à aller vers la voie extérieure de l'action que la voie intérieure de la résilience psychologique. Après, ça vaut ce que ça vaut. C'est des pourcents, c'est quoi en fait? Là, c'est les... Ah oui, c'est pas mon c'est... Si on applique son espèce de constance d'une personne sur 10... C'est 6,7 milliards d'habitants. En fait, ils considèrent qu'il y a 90% de personnes à l'étape 1. Je sais pas où ils placent les 10% restants. Et voilà, et au final, on arrive à une personne sur 10. Ça fait partie des choses qui sont très souvent citées, notamment par Pablo Servigne. Il n'est pas du tout étayé par des approches, enfin, par des mesures. Et juste une précision, donc Paul Cheffoucat dit que c'est difficile de monter dans l'échelle et de redescendre, parce que c'est comme quand on a pris conscience de l'effondrement, c'est très difficile d'oublier ça et d'y sortir. Mais on a vu donc sur le site d'Adrastia qui présente les travaux de Paul Cheffoucat, une personne qui dit avoir volontairement décidé de redescendre dans cette échelle de conscience pour pouvoir profiter de sa famille, de ses amis, et ensuite une fois qu'elle avait une certaine autonomie, une certaine résilience dans sa vie, d'être remontée au niveau 5. Donc voilà, ça c'est à discuter, on pourrait voir les expériences de chacun là-dessus, mais voilà, a priori on pourrait volontairement décider de bouger dans cette échelle. Donc vous trouverez toutes ces informations sur le site d'Adrastia dans les liens qu'on vous a présentés. Alors, ceci posé, là, voilà déjà un petit mouvement, peut-être une adaptation, comme l'évoquait Julie, de quelqu'un qui serait. Qui peut plus se défaire de l'idée du collapse, qui se documente là-dessus, qui monte en niveau de conscience, et puis peut-être pour se préserver quand il arrive trop dans ce que chez Fourcade, j'aime pas tellement le mot, mais je le reprends, c'est ça. Quelqu'un qui serait bien monté dans les niveaux de conscience. Finalement, pour se préserver à la fin, il décide de redescendre, ou comme Paul Cheffoucat lui-même, décide d'abandonner, en tout cas publiquement, les investigations sur la collapsologie. Moi, j'ai voulu recenser, alors je vous les donne un petit peu comme des vignettes très vite pêle-mêle, mais d'autres possibilités de ce qui peut se passer de négatif quand on est intéressé par la collapsologie, mais que finalement on n'arrive pas à s'en défaire. Ça peut être quoi les conséquences ouvertement négatives, ce qu'on peut appeler de la submersion des émotions. Alors le mot qui a été lâché, vous vous souvenez de Pedro tout à l'heure, Pedro, il le disait, il est au risque de la dépression. Si jamais vous voulez reconnaître quelques signes de la dépression, diagnostic ultra sauvage, je vous ai copié-collé ça, mais... Et je vous poserai pas la question, j'aurais pu, mais voilà. Peut-être que, plutôt je le dis autrement, je prends aucun risque en vous disant, parce que j'ai déjà discuté
J'allais vous dire, entre bonhommes, j'ai discuté avec des gens voilà, autour d'une bière, comme on peut faire après une séance de café collapse. Mais clairement, il y a beaucoup de gens qui dorment pas si bien que ça quand ils s'intéressent à la collapsologie. Donc les troubles du sommeil, check. Pour ce qui est des sautes d'humeur, il y a des tas de gens qui m'ont raconté s'être énervé en famille quand ils essayent de parler de collapsologie et que ça passe pas. Enfin, il y a quand même quelques signes et ça peut faire sourire. Et encore la dépression, vous allez voir par rapport aux vignettes qui viennent, c'est la forme light. Mais en tout cas, le mot dépression a été lâché. Il est utilisé régulièrement sur les forums de collapsologues. Et puis voilà, ça c'est la version un petit peu light. Alors, l'autre risque auquel se retrouvent les collapsologues, c'est de prêcher dans le désert. Le sentiment de solitude. Là, pareil, pour le coup, vous verrez, je spoil un peu, mais notre ami Pedro, malheureusement pour lui, c'est clairement ce qu'il a vécu. En tout cas, il a posté plusieurs messages sur des groupes Facebook auxquels il appartient, qui racontent ça, son sentiment de solitude et ce risque de se sentir à prêcher dans le désert. Après, alors ça c'est un mot que j'emprunte à Pablo Servigne. Il parle des savapétistes. Des fois quand on discute avec des collapsologues, on a l'impression qu'ils sont fascinés par la perspective du collapse. Et Freud en premier nous l'a bien expliqué. Eros c'est puissant dans notre psyché, mais Thanatos ça peut être puissant aussi. Et donc cette part lourde et difficile, enfin cette fascination qu'on peut avoir devant le spectacle du collapse, je pense que j'en ai trop. En tout cas, clairement, c'est pas très difficile d'en trouver des traces sur des forums Donc voilà, je pense que c'est un risque auquel on est. Servigne, il parle pour ça des savapétistes, et donc c'est chez Fourcade qui parlait de la pornographie. Guy Ford qui parlait de la pornographie du désastre. Effectivement, c'est fascinant. La variante de ça que je vous propose, c'est ce que j'appellerais les chutistes. Alors la chute, peut-être vous l'avez vu, peut-être vous l'avez pas vu, c'est un film qui raconte les derniers jours dans le bunker d'Hitler avec des officiers nazis qui vivent un moment de totale décadence parce que tout est perdu pour eux et donc ils ont plus qu'à se saouler au cognac, passer par tous les excès et dans le cas d'Hitler épouser Eva Braun. C'est dire. Et je sais pas pour qui d'ailleurs. Et donc voilà. En fait, les chutistes, on a l'impression des fois, pareil dans le discours, mais quand on entend certains collapsologues, qu'il y a une fascination morbide, n'ayons pas peur des mots, pour ce qui va se passer après. Alors c'est ce que Nietzsche appelait. Quelqu'un beaucoup plus lucide que tous ceux que je viens de citer, ce que Nietzsche appelait le nihilisme, en fait, la tentation du nihilisme, et qui est quelque chose contre lequel la vraie philosophie nietzschéenne s'est inscrite en faux, c'est l'idée que le monde, qu'on n'est pas en accord avec le monde dans lequel on est, et donc qu'on n'est pas capable d'avoir ce que Nietzsche appelait l'amour fati, c'est-à-dire l'amour de son destin, et qu'on ne peut pas être dans une action. Ouais, pareil, le mot est malheureux, mais positive, constructive, saine, parce qu'on est nihiliste. Nihiliste, ça veut dire qu'on croit plus en rien et ça veut dire qu'on n'aime pas le monde et du coup, encore une fois, on peut pas s'inscrire dans quelque chose de constructif. Et pour le coup, c'est un procès d'intention. Il y en a deux que je me suis pris quand j'ai discuté avec des militants Europe Écologie Les Verts. C'est pour eux, les gens qui s'intéressent à la collapsologie, c'est soit des nihilistes, effectivement, soit des gens qui sont au risque de commencer une secte. On parlera du problème des sectes un peu plus tard. Le délire résonant aussi. Alors, pareil, pardon d'être pédant deux minutes, mais Lacan avait fait sa thèse de doctorat sur le délire résonant, ce qu'on appelait la paranoïa initialement dans les années 30, à l'époque où Lacan faisait sa thèse. C'était ce qui caractérisait des gens qui, non pas des gens qui ont systématiquement peur des autres, mais des gens qui raisonnent beaucoup trop. Et donc, en fait, il avait développé comme ça toute une réflexion qui est devenue ce qu'elle est devenue. Mais bon, quand on dit de quelqu'un qu'il est parano au sens commun aujourd'hui, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a éminemment peur de ce qui est autour de lui et des autres en particulier. Au sens historique de la psychanalyse, l'activité paranoïaque, c'est le fait de trop réfléchir. Et alors là, pour le coup, pareil, je fais pas de sondage, mais déjà, je peux lever la main si je me pose à moi-même la question. Est-ce que tu réfléchis beaucoup trop à ces affaires de collapse? Clairement oui. Et est-ce que tu t'intoxiques en faisant ça?
Clairement, oui aussi. Ce qui fait de moi un parano techniquement pour Lacan, mais pas pour vous. Voilà, alors on reprend par rapport à ça nos petits rappels de nos biais, de nos fameux biais cognitifs. Julie, c'est à toi. Donc dans la façon dont on s'informe donc ici, en fait, ce sont les principaux biais de l'information, mais on trouvait qu'ils correspondaient bien aux biais de la collapsologie parce que en fait on s'informe tous via les réseaux sociaux, les médias, etc. Donc c'est en quelque sorte la même chose que pour les biais de l'information. Il va y avoir le biais de confirmation. On va donner plus d'attention à ce qui confirme nos croyances, et c'est typiquement ce qu'on fait ce soir en vous citant Vincent Mignereau, Pablo Servigne, etc. On vous cite des données dans la collapsologie pour vous parler de collapsologie, donc en fait on tourne un peu en boucle. On peut avoir comme ça différents experts qui se recitent entre eux, et au final on reste dans ce cercle-là, et où il y a vraiment une augmentation du biais de confirmation. Le biais de mémorisation, qui est que notre mémoire n'est pas fiable, et ça c'est lié aussi à d'autres biais, comme le biais de sidération, on va se rappeler plus facilement des mauvaises nouvelles que des bonnes nouvelles, et le biais d'échantillonnage, qui est aussi interdépendant avec ces autres biais, le fait que les médias vont plus parler du mal que du bien, car ça, ils fascinent, et on va avoir typiquement maintenant sur les internet plus de clics sur des médias qui parleront de choses catastrophistes, qui sidèrent, etc., que sur des choses plus positives. Ouais. Un biais aussi, c'est celui de la distance géographique et temporelle. Ouais. C'est exactement le souci qu'on avait par rapport aux attentats, quand ils se passent à Paris, quand ils se passent ailleurs. Ou ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui, on pense surtout, mais ça ne nous affecte pas personnellement. C'est pareil. Voilà, ce biais là. On peut pas prendre conscience, vu que nos cinq sens, qui normalement sont là pour nous expliquer le danger, là, ils n'existent pas en fait. Et typiquement, l'effondrement, il est déjà en cours de façon plus grave qu'en France dans certains pays, et pourtant, ça ne nous touche pas plus que ça, parce que concrètement, dans notre vie de tous les jours, ça nous concerne pas. C'est ça, je complète, c'est une très, très bonne remarque. C'est quand pas nécessairement parce que je cherche à convaincre des gens avec qui j'en parle, mais quand je suis amené à parler de collapsologie et pour rendre ça bien tangible, je dis, écoute, je sais pas ce que c'est l'effondrement, mais t'as le choix entre, si tu veux un parallèle, entre ce qui s'est passé en Russie en 89, ce qui se passe maintenant au Venezuela ou en Grèce. Et là, tout de suite, je vois dans les yeux de la personne avec laquelle j'échange qu'il y a quelque chose de l'ordre de la proximité, de l'accélération et de la proximité et du rappel que, c'est dans notre présent et que, au moins, on peut prendre conscience de ça. On est dans une sphère culturelle qui est très préservée, voilà, pour le moment. Voilà, et donc pour en fait on n'est pas complètement sans défense face à tous ces biais, et donc c'est très important de travailler et de se forger un bon esprit critique, parce que ces biais, on peut les contrer quand on en a conscience et qu'on s'entraîne à ça. Et donc là, je cite des références de zététique, d'épistémologie. Donc la zététique, c'est une science interdisciplinaire qui a pour but de travailler sur cet esprit critique-là, dans les sciences, mais pas que dans les sciences. Donc ici, il y a le site du Cortex, qui est le collectif de recherche transdisciplinaire esprit critique et sciences. À Grenoble, je ne sais pas si on a parmi vous qui sont à la fac, mais il y a des cours de zététique qui sont ouverts à tous. Notamment, enfin moi à l'époque, c'était il y a quelques années, c'était Richard Monvoisin qui était le premier docteur en France de zététique, et il met tous ses cours en ligne, donc je vous invite à aller sur ce site. Il y a la très bonne chaîne YouTube Hygiène Mentale, donc là c'est des vidéos courtes, très didactiques, qui vont vous permettre de comprendre ce que c'est par exemple la manipulation par les médias, comprendre comment identifier une fake news, les choses auxquelles il faut faire attention quand on s'informe sur différents sujets. Et deux petits livres de référence qu'on m'a cité à l'époque, c'est Petit traité de manipulation à l'usage des gens honnêtes et Petit cours d'autodéfense intellectuelle. Et puis, je ne sais pas, mais je pense que si les cafés Colas continuent, on fera sûrement une séance avec des zététiciens qui auditent notre propre capacité à produire de la zététique. Ok, donc
là, du coup, on vous a parlé de tous les biais, toutes les difficultés qu'il peut y avoir, de barrières psychologiques. Et en filigrane de tout ça, il y a toujours les émotions qui sont extrêmement présentes. Et donc, ça, c'est très important, en fait, qu'on passe un peu de temps sur comprendre ce qu'est une émotion, quels effets ça va avoir sur nous et comment il faut apprendre à les gérer aussi. Donc, je vous laisse la parole à Eloïse. Bonsoir. Je suis Héloïse, je suis en reconversion professionnelle en master 2 de psychologie, en psychologie clinique. Je suis en transition diffuse depuis toujours, j'ai l'impression, et en transition plus évidente depuis quelques mois. Ce qui m'amène à parler ce soir, entre autres, je me suis retrouvée à diffuser, à communiquer un lien à une personne sur l'effondrement, une personne bien plus jeune que moi, et j'ai donné ce lien, et après coup je me suis dit mais merde, je sais pas où il en est de ses connaissances là-dessus, qu'est-ce que je vais générer chez lui, enfin c'était pas une mince affaire pour moi quand même, je me suis sentie un peu un sentiment de responsabilité par rapport à cette jeune personne. Une autre fois, j'ai essayé de communiquer avec quelqu'un que je connaissais bien et je me suis dit, je vais rester sur les faits, je vais rester factuelle, sûre de moi avec cette idée d'être factuelle. Et en fait, on m'avait dit, bon, les faits, c'est bon, il y en a marre, on les connaît depuis le temps qu'on les entend, reviens me voir quand tu auras des propositions. Et j'entends du coup beaucoup de personnes où je lis sur les sites Facebook par exemple, sur les pages Facebook où j'ai entendu ici aussi, les gens qui souvent mettent en avant le fait de rester factuel. Et moi je l'entends, c'est peut-être un biais de ma part, je l'entends comme si rester factuel c'était rester rationnel, rester raisonnable et rester pertinent par rapport à ce qui peut arriver. Et je vais essayer de montrer, par les travaux de neurologues, que raison et émotion, finalement, c'est couplé. Voilà, donc... Hein ? Couplé. Et puis, plus tard, je parlerai de comment s'engager dans l'action, peut-être. Je vais vous demander, je vais vous laisser 30 secondes, à peu près, pour vous-même, en vous-même, décrire ce que c'est que l'émotion de la peur. Quels sont les mots qui vous viennent ? Je ferai pas de tour de table, c'est pour vous. On n'a pas prévu. C'est bon pour tout le monde ? Tout le monde a pu avoir quelques mots ? Vous pourrez lever la main pour confirmer, je vais faire des suggestions. Peut-être il y en a qui ont parlé de palpitations. Pas tant, ouais, un peu. De boule au ventre. De sudation, de choses comme ça, de sueur froide. Après, j'ai pas d'autres idées qui me viennent, mais globalement, des choses liées aux sensations corporelles, aux manifestations physiologiques. C'était plutôt... Oui. Si je vous demandais de décrire une émotion en oubliant tous les mots relatifs aux sensations corporelles et physiologiques, est-ce qu'il y a des mots qui vous viennent ? Je vous laisse faire le travail pour vous, en vous-même. Je supposerais que non. Oui ? C'est vrai ? Quel mot ? Si c'est possible, si vous avez envie de le dire. La quoi ? Ah oui, sur le qu'est-ce qui crée la peur, mais ça ne décrit pas la peur. La peur de ce qui va arriver, on projette en boucle, ouais. On ne peut pas faire gérer ce qui se passe. Ouais. C'est les conséquences de la peur, en fait, dont vous parlez. Moi, c'est ça. Là. Oui, d'accord, c'est votre manière de décrire. Mais ça reste les conséquences de la peur. Ouais. Mais oui, c'est tout à fait lié, tout à fait. Bon, on voit que la peur, enfin l'émotion en général, est quand même un phénomène assez physiologique et assez corporel. Donc, je change de slide. Bon, oui, je devrais vous laisser plus longtemps. Je vais prendre. Pendant longtemps, on a cru que si on était face à un ours, un événement qui déclenche une émotion, on avait peur et parce qu'on identifiait qu'on avait peur, on partait en courant. Il semblerait que ce soit pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc, on serait face. Je prends une situation un peu extrême de survie, on serait face à un ours, donc l'événement déclencheur.
On aurait des manifestations physiologiques, des charges d'adrénaline, libération du glucose dans le sang, peut-être des expressions faciales, et une évaluation plus ou moins consciente de la situation. Si tu as l'air de connaître ces choses-là, si des fois tu te gênes pas, si toi tu fais un... Ah. Donc, en fait, toutes les manifestations physiologiques sont là pour nous préparer à l'action. Donc après, on a une tendance comportementale. On va par exemple fuir. Et le ressenti émotionnel, c'est à l'issue de tout ça. C'est en fait l'interprétation, quelque part, de tout ce qui vient de se passer. Donc la peur, la sensation, on nomme la peur après ça, pas avant. Bon, c'était déjà pour faire le point là-dessus. L'importance de... les émotions nous permettent donc d'entrer en action, essentiellement, et de donner de l'importance aux événements dans leur contexte, afin de qu'on mette en place des comportements qui soient pertinents. Ça serait un peu la fonction fondamentale de l'émotion. Alors, il y a plusieurs... ça, c'est vous en train de courir. Oh, ça, c'est moi qui ai des mauvaises ondes. Bon, l'émotion est subjective, vous pourrez aller vérifier ça, je ne vais pas en parler ce soir, ça sera dans les slides sur le PDF. Elles sont toutes utiles, elles auraient une fonction, donc soit les fonctions de survie. Elles peuvent avoir des fonctions d'évaluation, de contrôle, de préparation à l'action de survie. Elles auraient des fonctions de régulation physiologique de l'organisme, des fonctions expressives, donc elles seraient vecteurs de communication. Elles auraient des fonctions aussi dans l'apprentissage, elles peuvent faciliter l'apprentissage, le stockage et la restitution. Si on le voit comme ça. Dans la mémoire, par exemple, la mémoire épisodique, si je vous demande, à vous et aux autres les plus âgés, si je vous demande le 11 septembre ce que vous étiez en train de faire, est-ce que vous êtes en mesure de me dire où vous étiez et à peu près ce que vous étiez en train de faire? Ouais, bon, c'est pas un exemple de moi. Hein. Et si je vous dis le 10 septembre, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Vous savez plus? C'est la même chose. Voilà, donc la même chose. Bon, ça c'était parce que vous faites tous les jours la même chose. Donc c'est plus la mémoire épisodique, là. C'est un autre type de mémoire. Enfin, c'est plus ou moins. Donc on voit bien que l'émotion, elle va marquer l'événement et elle va lui donner une valence et une importance et elle va faire que ça s'inscrit plus ou moins profondément. Elle va jouer un rôle dans les décisions, ça on va le revoir ensuite, dans l'introspection, et elle influence notre perception du monde. Ah. Eh ben, je sais pas, toujours les trucs comme ça. Oui. Tu parles de la peur, mais c'était un phénomène qui nous affecte forcément, mais... Non, c'était un exemple. Dans le cas de l'effondrement, ouais. Non, c'est justement l'un des phénomènes qui est perdu, c'est justement qu'on n'est pas affecté par la peur parce qu'on n'est pas dans notre... On n'est pas devant un guépard dans lequel on a peur et qu'on s'enfuit. Tout à fait. Moi, je ne vais pas aborder ça, j'aborde plutôt, mais peut-être on est dans le débat, en fait. Je ne sais pas ce qu'en pense mes collègues. C'est aussi les biais cognitifs. Oui. C'est le fait. On a parlé au début, en fait. C'est un des problèmes. Je vais en parler après, en fait. On est plus sensible aux conséquences à court terme qu'aux conséquences à long terme. Mais ça a été dit d'autres manières depuis le début, en fait. Et évidemment, notre cerveau, c'est encore le cerveau de l'époque. Je me trompe tout le temps, mais le mot. Anthropocène, c'est maintenant, de l'époque d'avant. Hein? Non, je veux pas dire reptilien, je parle des airs, je trouve plus le mot. De avant, quand on était encore presque des cro-magnons, quoi. Paléolithique, merci. Notre cerveau, il est encore construit, on n'a pas encore vraiment muté par rapport à ça. Donc. Alors, moi, je prenais la peur juste comme exemple flagrant pour rester sur des émotions simples de base. Hein, mais évidemment, on y reviendra.
Les émotions, c'est aussi une fonction de communication et elles nous permettent par exemple, on va anticiper les états mentaux des gens. Les états mentaux, c'est les pensées, les croyances, les désirs, par exemple. Si quelqu'un sourit, nous, chez nous, de le regarder, ça va activer des zones du cerveau et ça sera comme si nous, intérieurement, on souriait. C'est comme une simulation et ça nous donne accès, par ce biais-là, par une forme de mimétisme et par aussi les neurones miroirs, ça nous donne accès à l'expérience de l'autre. Et par le biais des émotions, on rentre un petit peu dans l'univers de l'autre et ça nous permet d'anticiper ses comportements, de modifier les nôtres, et etc., de nous adapter, d'avancer ensemble. Donc ça s'appelle la théorie de l'esprit et c'est lié à l'empathie. Voilà. Je fais simple, hein. Après vous pourrez chercher un peu plus loin. Vraiment tout ce que je fais, je le simplifie. Ouais, juste du coup une petite parenthèse ici, dans le cas de la collapsologie, du coup, je pense qu'on tous ici, on s'informe majoritairement sur Internet. On peut aller lire des commentaires, des discussions sur les réseaux sociaux, mais du coup, on n'a pas du tout ce feedback de l'émotion de la personne d'en face. On lit que du texte. Et du coup, c'est une question ouverte, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un biais et des difficultés au fait qu'on s'informe et qu'on discute uniquement par des réseaux sociaux, où on enlève et on supprime complètement cette part de l'émotionnel qui est très important et qui peut être difficile dans la collapsologie, d'autant plus sur un réseau social comme Facebook qui à la base a été designé pour générer des sensations positives, où ça fait appel à des circuits de la dopamine, etc., pour nous rendre addicts à ces réseaux sociaux dans un but de positif. Et là, on parle de choses extrêmement négatives et anxiogènes. Et donc, c'est vraiment une question ouverte et j'ai pas du tout la réponse. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, du coup, des mécanismes un peu pervers qui se mettent en place par l'utilisation de ces réseaux sociaux sur des sujets aussi difficiles? Oui, ça pose la question de l'accès à l'intention de l'autre, en fait, qu'on n'a pas s'il n'y a pas de modulation émotionnelle. Oui. Il y a aussi l'énorme modulation de la théorie de l'esprit avec les travaux de Tania Singer, je crois, qui avait fait sur les supporters de foot, et sur l'absence totale, même l'opposition à l'empathie qui pouvait se produire dans ces cas-là. D'accord, je ne connais pas. C'est simple, c'est une expérience de neurone qui a été faite où on prend une personne et puis pour vérifier la théorie des neurones miroirs, on fait ressentir un choc électrique à quelqu'un, on cartographie l'esprit, et puis on fait ressentir un choc électrique à son conjoint, et on cartographie l'esprit de la première personne. Et là, les neurones miroirs s'activent, le choc électrique chez le conjoint active les mêmes neurones que quand la personne reçoit elle-même le choc électrique. On me dit, oui, mais c'est des gens qui ont un rapport de proximité, il y a une question d'appartenance au groupe aussi. Et cette notion d'appartenance au groupe, elle a essayé de la vérifier en prenant des supporters d'équipes de foot, avec des supporters d'équipes de foot qui étaient de la même équipe, et des équipes opposées dans les derbies habituels, Lyon et Saint-Étienne par exemple, en gros, sauf que c'est en Suisse, c'est pas les mêmes, mais bon, le principe c'est celui-là. Et quand on prend les supporters de la même équipe, on a l'activation des neurones miroirs qui se fait de la même façon, sauf que quand on prend le supporter de l'équipe adverse, là, quand on lui donne un choc électrique chez la personne de l'équipe adverse qui est en train de se faire faire une cartographie du cerveau, c'est les neurones correspondant au plaisir qui sont activés. D'accord. Il y a cette notion d'appartenance au groupe qui devient extrêmement importante et qu'on ressent des fois sur justement ces histoires de réseaux sociaux où j'appartiens à un groupe, quand il y a quelqu'un d'un autre groupe, je vais le pourrir, je vais le démolir, etc. Juste parce qu'il est dans le groupe. Et c'est... il y a tout un documentaire Arte sur... vers un monde altruiste qui décrit très bien justement tout ce domaine-là. Oui, non, j'ai vraiment dit que je simplifiais les neurones miroirs. En plus, ils s'activent sur des actions qu'on a déjà faites, etc. Mais je fais un peu simple, j'ai pas beaucoup de temps. Oui. Je vais faire juste deux petites choses rapidement. Premièrement, il y a un épisode de pensée sur les neurones miroirs qui est très intéressant, si vous voulez aller voir. Deuxièmement, par rapport à ton remarque sur Internet, il y a une loi d'Internet, comme il y a plein de lois d'Internet qui sont plutôt rigolotes.
qui s'appelle la loi de Moore. Je cite, sans en se mêler, qui cligne de l'œil ou un autre moyen bien flagrant de marquer, ce qui est l'humour, il est impossible de faire une parodie sans être attaqué directement par une personne qui confondrait l'humour à la réalité. Principe de l'écrit, si on ne met pas de marqueur d'ironie, on ne sait jamais si la personne parle au premier ou au second degré. Et ça arrive régulièrement sur le langage écrit, quelque chose. Juste pour vous dire ce que vous disiez, il y a aussi plein de travaux en psychologie sociale sur l'exogroupe, l'angogroupe, tout ça, c'est très intéressant aussi. Ça peut... Encore un problème ? Non ? Ok. Maintenant, je vais aborder plus la question relation et émotion et relation décision. Je vais m'appuyer sur les travaux de Damasio, qui est neurologue et qui fait plutôt consensus. Je vais vous parler des marqueurs somatiques pour commencer. Alors, si vous êtes dans une situation pour la première fois face à quelqu'un qui vous regarde de travers, par exemple, vous avez plusieurs choix, plusieurs options comportementales. Vous choisissez celle d'aller vers lui. Il vous colle un nion. Situation conséquence plutôt désagréable, émotion plutôt déplaisante. Ça forme un marqueur somatique. Le corps inscrit une mémoire émotionnelle se fait là-dessus. Dans un deuxième temps, vous vous retrouvez face à une personne qui vous regarde à nouveau de travers. Il y a de fortes chances que sur la base du marqueur somatique inscrit, vous ne vous approchez pas cette fois et que vous adoptiez un comportement de fuite. Ces marqueurs somatiques sont là, me semble-t-il, enfin seraient là en permanence, seraient là et ils seraient de plus automatiques à plus ou moins conscient. C'est une forme de mémoire émotionnelle qui se base sur les sensations physiques. Damasio parle d'un couplage du système émotionnel et système rationnel. On voit en neuroimagerie, par exemple, on va voir si quelqu'un est en train de prendre une décision, on va voir des zones du cerveau émotionnel s'activer. Et en psychologie comportementale, quand on va avoir des gens avec des lésions cérébrales, par exemple le cas de Phineas Cage, qui a reçu une baramine en plein en cortex orbitofrontal, une zone qui appartient au cortex, qui est le cerveau plutôt associé, le dernièrement développé, plutôt associé à la raison, et qui traverse, donc la barre traverse cette zone, et cette zone est une interface entre le cortex préfrontal, zone de planification et de choses comme ça, avec le cerveau limbique, cerveau plus ancien, qu'on partage avec les mammifères, cerveau plutôt émotionnel. Et quand cette barre le traverse, donc cette partie du cerveau est complètement out, il est toujours en capacité intellectuelle, il a toujours sa mémoire, tout ça fonctionne, par contre il est incapable de prendre des décisions adaptées à une situation. Et il est en déficit émotionnel. Il a des changements d'humeur. Enfin, l'humeur fonctionne pas très bien. Donc, on observe par ce biais-là que quand il y a un découplage entre cerveau émotionnel et cerveau rationnel, finalement, nos décisions sociales sont plus pertinentes. Voilà. Et je pourrais donner un exemple sur comment ça fonctionne. Hein. J'ai dit qu'il y avait des émotions. Des émotions plus ou des marqueurs somatiques plus ou moins conscients ça se passe un peu dans le décours temporel. Si vous vous baladez dans un parc en ville, vous tombez sur un bout de bois allongé, premier marqueur physique, certainement, je dirais, inscrit au fil de l'évolution de l'humanité, ça clignote serpent, c'est une première détection. Plusieurs options s'offrent à nous, on se dit je vais fuir par en courant. Enfin, on se le dit pas, mais en tout cas, c'est notre tendance comportementale sera celle-ci. Puis le temps avance un peu, on prend plus en compte le contexte. Là, c'était juste l'événement. On remet l'événement dans le contexte. Et à partir du moment où on est dans le contexte, on va plus analyser les faits. On va analyser encore différentes options, anticiper des résultats futurs des différentes options qu'on pourrait choisir. Là, se forme un peu une nouvelle émotion plus à froid.
mais avec des sensations aussi, des manifestations physiologiques. Et la première option, qui était un choix en fait, qui aurait été une décision de partir, est contrecarrée et un changement de décision se fait suite à ce parcours. Et les deux fonctionnent ensemble. Et là, on va décider par exemple de pas courir parce que non, on a percuté que c'était pas un serpent. On est en ville, en France, de toute façon, les serpents sont pas mortels. Il y a pas lieu de partir en courant, etc. Donc après. C'est une question, ça fonctionne ensemble. Pour Damasio, le cerveau émotionnel serait une extension, non, le cerveau rationnel serait une extension du cerveau émotionnel. Et les marqueurs somatiques, les émotions seraient un peu tout le temps là, sous-jacentes, à chacune de nos décisions, et on leur mettrait, le curseur pourrait se déplacer. Ce serait plus ou moins des émotions chaudes, des émotions froides, plus ou moins de raisons dedans, d'analyse des faits, ou plus ou moins de réaction à ce que dit notre corps, je le dirais comme ça, moi. C'est qu'une question après de dosage. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, quoi. C'est juste à pas opposer. C'est juste mon propos, en fait. Et pour Damasio, il explique que si on est dans une situation où il faut prendre des décisions rapides, c'est bien de se baser sur notre système émotionnel, qui est un système... je l'ai cru comprendre comme ça, que c'était un système décisionnel, mais plus rapide que le système rationnel. Donc, dans certains cas, il est plus opérant. Et dans d'autres cas, mieux vaut pas l'être. Quand si on est dans une situation où notre analyse logique des faits est pas suffisante, ça sera intéressant de se baser sur notre système décisionnel émotionnel, etc. Et dans d'autres cas, mieux vaudra être un peu plus dans l'analyse des faits. Voilà. Voilà pour ça. Donc, cher Phineas, bon, ça vous pourrez aller voir. J'ai zappé, il me manque une diapo, ça fait rien, c'est juste en pratique. Je vous invite, enfin si vous le souhaitez, à identifier les émotions, identifier les manifestations physiologiques, vos expressions faciales, parce qu'elles en disent beaucoup à votre interlocuteur, vos comportements. Voilà, ça vous permet un peu d'être plus sensible et perspicace par rapport à vos émotions, et aussi peut-être d'augmenter votre vocabulaire par rapport à ces différentes composantes que je viens d'énoncer. Plus on a du vocabulaire, plus on est fin, plus on est précis, plus on a du discernement, etc. Je vous invite à être dans des interactions sociales, ça développe l'intelligence émotionnelle. Bienvenue. Voilà. Alors maintenant, j'ai fini pour l'émotion en raison. Juste je voulais introduire d'autres apports très vite fait de la psychologie sociale et un peu de la psychologie cognitive. Vous pourrez aller voir. C'est en vrac, hein, c'est du vrac. J'ai mis quelques notions avec des noms d'auteurs. Vous pourrez vous aller chercher. Et ces notions là. M'amène à dire pour communiquer sur des sujets qui impactent beaucoup les gens, sur où il y a de fortes émotions, susceptiblement de fortes émotions. Déjà, une chose, chercher à convaincre, ça fonctionne pas. Plus on cherche à convaincre quelqu'un, plus il développe des contre-argumentaires, un contre-argumentaire. Donc mieux vaut peut-être, ça c'est moi qui le dis, hein, mieux vaut peut-être motiver, entraîner. Montrer l'exemple. On sait dans les théories de l'apprentissage que le mimétisme, l'exemplarité a aussi une certaine efficacité dans certains cas. Je voulais alerter aussi sur quand on informe sur ces notions aussi graves, de penser au sentiment d'auto-efficacité. On a tous besoin de se sentir efficace dans ce qu'on va faire. Sinon, on s'engage pas dans une action si elle est perdue d'avance. De toute façon, on fera rien. Donc, c'est important, peut-être dans notre manière d'informer, de laisser des possibles. Voilà. Je sais pas, à vous de voir comment. C'est à inventer. Mais c'est, en tout cas, c'est une notion qui me semble importante. Et pas juste de rester factuel, mais d'ouvrir des portes pour que les gens puissent s'inviter dans le voyage, quoi. On a aussi besoin d'être autodéterminés si on se sent pas acteur de nos comportements et si nos valeurs semblent bafouées. On va rentrer en réactance psychologique, donc en résistance. Si ça dure trop longtemps, on va finir par rentrer en résignation acquise. Et résignation acquise, on fait plus rien. Et ça peut entraîner vers la détresse si ça dure trop longtemps. Faire bien attention
à comment on va pouvoir générer des comportements d'évitement, où il y en a qui appellent ça le déni, chez les uns et les autres. C'est très facile, c'est une tendance qu'on a tous très naturellement d'éviter pour pas se confronter à des choses difficiles. Donc comment communiquer pour inviter la personne à pas éviter, sinon on aura raté notre communication. Et penser aussi que aux conséquences à court terme, si on parle toujours de 2100, finalement ça parle à personne. 2100 c'est pas pour nous, 2100 ça n'existe même pas quelque part. Donc peut-être informer en s'appuyant sur des choses actuelles et qui nous impactent, comment trouver comment on est impacté maintenant dans notre manière d'informer pour que les gens se sentent concernés par l'information qu'on cherche à véhiculer. Bon, je vais m'arrêter là, voilà. Je me permets une question. Oui. Un événement qui m'a arrivé très récemment en termes de communication. Quand on tombe sur une personne qui n'a pas donc, les réactions typiques normales dans le mode de communication qui correspond à ça, des types derrière narcissique ou ce genre de choses, parce que ça arrive dès qu'on l'identifie, mais ça arrive des fois. Ouais. On voit que la personne elle est dans un schéma mental qui est complètement décalé. Donc en gros, décalé par rapport à... Vous n'êtes pas dans une interaction normale. C'est-à-dire que d'accord. La personne fabrique des choses. Ouais, alors peut-être c'était moi en fait. Hein, qui... Non, mais beaucoup. Non, mais on voit vraiment que cette personne elle est psychologiquement ou psychiatriquement. Il y a un truc qui switch d'un coup et elle contrôle les choses. Donc quand on veut argumenter avec ces personnes-là, on peut pas. Soit on risque de se faire manipuler, soit on rentre dans la colère parce que ça devient gérable. Comment on fait? Alors, déjà, dans le cadre de l'effondrement ou en général? Parce que là, on est dans le cadre de l'effondrement. Pas dans le cadre de l'effondrement, sinon. En général, ça serait un autre sujet. Dans le cadre de l'effondrement, d'abord, la première question, on va pas débattre là maintenant parce que le débat, ça sera après. On pourra y revenir. On reprend après. Qu'est-ce que. Je peux juste te poser juste une question sans qu'on aille plus loin. C'est pourquoi vouloir à tout prix si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Parce pourquoi que vouloir c'est une situation qu'on est obligé de quand même se retrouver à négocier avec des personnes. Dans ces cas-là, on ne peut pas négocier. On ne peut pas convaincre. On peut juste rentrer dans l'univers de l'autre et trouver la faille. Mais voilà, c'est un autre débat. Enfin, on peut en parler après, ou en débat, ou tous les deux en aparté. Bon, voilà, moi je suis pas experte du sujet, mais j'espère avoir suscité un peu de curiosité à ce propos, pour que vous puissiez aller voir un peu plus loin. Merci Héloïse. Et puis c'est ce qui est important aussi, alors il y a plein de choses passionnantes, mais ce qui est important, c'est que ça fait partie à la fois d'une grammaire intellectuelle dont on peut avoir besoin pour mieux comprendre effectivement les émotions spécifiques à la collapsologie et la façon dont elles se fabriquent et la façon dont on peut avoir des échanges dessus, mais aussi ça fait partie des, je vous parlais tout à l'heure des grands pôles de référence et d'emprunt, ça fait partie de moins que le bouddhisme qu'on va voir par la suite. Mais ça fait partie d'emprunts que des collapsologues, des auteurs au sens d'auteurs de livres de collapsologie peuvent faire. Alors, une grosse parenthèse avant de repasser la parole à Julie. Donc là, si je résume, on a recensé des émotions négatives, on a compris des biais cognitifs qui nous permettent de nous en éloigner, on vient de comprendre l'intérêt des émotions et de l'articulation entre les émotions et la prise de décision, y compris a fortiori dans des contextes de collapsologie. Et puis je voulais faire, avant qu'on rentre plus spécifiquement dans les travaux de Johanna Messi, dans ce qu'on appelle l'éco-psychologie, je voulais faire quand même 5 minutes de parenthèse sur finalement quels sont les risques auxquels on se trouve quand on aborde ces notions aussi. Alors tout à l'heure c'était les risques individuels négatifs, le nihilisme, ainsi de suite, mais on voit que finalement dans ces mouvements de colère qui peuvent être amplifiés par des émotions encore une fois lourdes avec lesquelles on n'arrive pas à composer, il peut y avoir des failles qui sont beaucoup plus qui expose beaucoup plus les autres. Alors la première pour moi c'est
En fait, il y en a deux, mais c'est très lié. C'est ce que j'appellerais la tentation autoritaire. Alors, bah, ça, c'est tous les débats qu'il y a, en particulier dans des groupes politiques verts, mais pas que, sur la tentation de dire que, bah, finalement, avec la démocratie, avec la tolérance, avec la recherche de la conviction et de l'harmonie et du dialogue avec les autres, on n'y arriverait pas et qu'il faudrait passer à des solutions, là, en termes d'organisation, beaucoup plus radical, donc ça existe. Moi, je trouve ça déjà un peu tangent et ça m'a mis la puce à l'oreille parce que quelque part, ça alimente et ça donne du crédit à des objections que j'entends en particulier chez des militants verts qui nous disent mais bah, vous, les collapsologues, en gros, si vous n'êtes pas une secte, vous allez bientôt le devenir ou il y a tout pour. Donc c'est ce qu'on appelle alors l'antichambre d'une secte, c'est ce qu'on appelle un groupe charismatique. Et là, les groupes Facebook sur lesquels il y a des échanges, pour le coup, ils participent aussi un petit peu de cette économie, c'est-à-dire que oui, se retrouver avec d'autres, c'est une bonne façon de composer avec ces émotions lourdes et difficiles, mais c'est pas c'est pas sans risque aussi. Donc la première, je voyais la couverture d'Ouzbek Erika, d'un côté, faut-il une bonne dictature verte, et puis de l'autre, des gens qui rappellent à la raison, hein, des gens qui sont encore... Dans le cas de Jean de Kervasdé, c'est quelqu'un qui, pour moi, est un scientiste, un positiviste, et qui pense que pour répondre à l'effondrement, la science pourra nous sauver et qu'elle va pouvoir trouver des solutions. Et du coup, il voit les gens comme Servigne, mais pas que lui, comme ce qu'il appelle des prêcheurs d'apocalypse. Et il en fait un bouquin où il explique finalement ce risque auquel on se retrouverait. Alors j'ai un peu gratté, puis avec le clin d'œil de mon copain qui fait le Nicolas Psunot. Et je suis allé voir sur ces groupes Facebook si on pouvait trouver des traces de ce risque de groupe charismatique. Qu'est-ce que je lis là? Pareil, quelqu'un qui arrive sur un groupe Facebook qui est la collapsologie heureuse. Je vous parlerai tout à l'heure de la collapsologie heureuse et de sa veine spinoziste, hein, qui essaye de promouvoir la philosophie d'une certaine légèreté qui est chez Spinoza. Donc blablabla, je viens d'arriver, voilà, c'est mes difficultés. Et puis alors, dans les réponses que cette personne trouve en commentaire, en bas, il y a aussi un besoin réel de se retrouver entre personnes averties, entre guillemets, car le mur du déni est féroce. On retrouve une partie des notions qu'on a abordées dans cet exposé avant. On est facilement suspecté de dérives sectaires, justement, précisément, parlons-en. C'est assez difficile à supporter. La puissance du groupe aide à ne pas sentir seul et isolé. Bon courage, c'est pas si grave. Dérives sectaires. Dérives sectaires, en fait, pareil... J'ai eu la chance de pouvoir échanger via les groupes Facebook avec Loïc Stéphane qui s'est bien investi là-dedans. Et il m'a raconté l'histoire, et je la raconte avec son autorisation, avec vous, c'est pas une confidence qu'il m'a fait, mais il m'a raconté l'histoire de ce qui se passait dans Transition 2030, qui était probablement le groupe Facebook le plus connu en collapsologie, celui avec le plus de membres, et à un moment donné, et le plus ancien aussi. Donc ils ont, je sais pas, 5-6 000 membres, et ils ont des modérateurs et des administrateurs qui sont des grands noms de la collapsologie. Et à un moment donné, ils ont eu quelqu'un qui a posté sur ces groupes un avertissement, je sais pas comment le qualifier, j'ose pas. Ah, pour moi c'est du chantage affectif, mais là c'est un jugement de valeur, mais bon bref. Il a averti qu'il supportait tellement plus les histoires de collapsologie qu'il allait se suicider puis amener sa petite famille avec lui. Et alors du coup, gros débat, notamment avec Pablo Servigne qui a pris la plume pour répondre à ça et modérer ce qui allait se passer dans le groupe par la suite. C'est ce qui justifie la création du groupe La Collapsologie Heureuse. Fort heureusement, cette personne n'a pas mis fin à ses jours. C'était... c'est une autre motivation qu'il avait, mais le message avait été pris au sérieux. Et quand je discute avec Loïc Stéphane, qui est donc très actif sur différents groupes, notamment sur la collapsologie heureuse, qui est assez proche spirituellement, je peux en parler aussi de gens comme Gaël Giraud, hein, le jésuite qui était intervenu dans la vidéo qu'on avait passée dans la séance inaugurale avec que vous connaissez. Il nous dit bien que c'est la porte ouverte aux gourous et aux régimes autoritaires si on croit effectivement
collapse, l'effondrement imminent et potentiellement violent sur certains scénarios, aussi parce que, on en reparlera par la suite, c'est surdéterminé par des imaginaires de référence qui sont Mad Max, Walking Dead, c'est le genre de référence qu'on trouve souvent, donc quelque part ça serait l'antichambre d'un survivalisme dur. Alors je vous ai laissé les échanges qu'il y a eu, vous pourrez les lire si ça vous intéresse, mais la trace des échanges qu'il y a eu dans ces groupes Facebook avec le remerciement de, enfin je remercie j'en profite pour remercier Loïc Stéphane avec qui j'ai des échanges de très bonne tenue sur ce sujet, alors que c'est pas des sujets du tout badins et qui me permet de les aborder là. Et puis je voudrais vous montrer, alors aussi au titre de ce côté groupe charismatique, je voudrais vous montrer un extrait d'un épisode de Next, et je vous demande d'être bien attentif parce que derrière je vais vous refaire voter, mais je vous demande d'être bien attentif aux mots que Yves Cochet prend pour parler de collapse. L'énergie, c'est essentiellement des énergies fossiles pour 85% du monde, eh bien ceci ne peut plus durer pendant très longtemps. Donc c'est une question d'années ou de décennies. Alors c'est sur cette base d'un constat de la difficulté des écosystèmes, de la dégradation de la Terre, il y a bien entendu le dérèglement climatique au premier rang, mais il y a aussi la perte de biodiversité, enfin tout ce qui fait du mal à Gaïa, comme on pense Gaïa, en tant que Terre globale, en tant que système Terre, eh bien tout ça ne peut plus durer très longtemps. Et donc, j'estime en effet que l'effondrement global dont je parlais est proche. Alors, dans cet article, j'ai essayé de dire un peu le calendrier pour montrer que ça n'est pas demain, c'est demain matin. Bon, en gros, l'effondrement au sens où je l'entends, c'est dans les années 20, donc entre 2020 et 2030, à 5 années près, bien entendu. Je ne suis pas Madame Soleil ni Nostradamus. Puis après, il y aura peut-être une période de survie difficile, et notamment du point de vue matériel et du point de vue psychologique, j'insiste beaucoup là-dessus, car il y aura sans doute des événements dramatiques au point de vue humain. Je ne veux pas en dire plus, mais on en a connu au XXe siècle, là, au moins deux grands. Et donc ces événements dramatiques feront qu'une des principales préoccupations des humains qui survivront dans les années 30, 35, 40, 45, dans une vingtaine d'années, ce sera comme disait le Christ peut-être il y a plus de 2000 ans, de s'aimer les uns les autres. Car en effet, la déploration de ce passé terrible qu'on aura vécu fera que, bien sûr, il faudra survivre au jour le jour, trouver de l'eau fraîche, trouver de la nourriture saine, trouver un peu d'énergie, des abris, etc. Mais surtout, essayer de ne pas tomber dans la barbarie. Et c'est ça ma principale préoccupation. Alors, ensuite, peut-être que vers les années 50, dans 33 ans ou 34, 35, je ne suis pas quelques années près, eh bien, il y aura une période de renaissance, on peut dire, avec de la culture et une civilisation authentiquement humaine. Mmh. Voilà. Alors, ben, je voudrais vous poser la question. Moi, en tout cas, ça m'a fait tiquer. Mais peut-être que, ben, en tout cas, j'ai vraiment envie de vous entendre là-dessus. Est-ce que vous trouvez le discours de Cochet tendancieux ou pas? Alors, ben, réponse 1, non, c'est moi qui exagère et puis on peut pas remettre en cause sans Cochet. Réponse 2, non, c'est juste ses tournures de langage. Réponse 3, peut-être que c'est un wannabe gourou en effet. Réponse 4, 36-15, alerte secte. Et réponse 5, je n'ai pas d'opinion, donc je suis mûr pour tomber dans ce genre de secte. Ok, merci. Et donc c'est moi qui suis peut-être un petit peu trop sensible à ça, en tout cas par rapport à la majorité des opinions que vous exprimez. On va pas trop, du coup, ça me donne un autre prétexte pour pas trop s'appesantir là-dessus. Si vous avez envie de savoir comment est-ce qu'on peut caractériser une secte, il y a un site gouvernemental qui s'en charge. J'ai pris une petite checklist quand même, je l'ai fait pour moi, pardon encore une fois d'être égotique, mais j'ai pris une liste des choses qui font qu'on se reconnaît ou pas dans des,
disponibilité pour des dérives sectaires, une certaine vulnérabilité par rapport à ça. Je ne peux pas vous dire que je suis complètement vierge. Après, vous le faites pour vous, vous ne le faites pas, mais bon, voilà. Moi, je pense que la collapsologie, pour le coup, ça brouille pas mal de repères, en tout cas chez moi. Alors, l'autre planche de salut, en dehors de ce que nous proposent les sites gouvernementaux, c'est, et on va le voir là, il y a beaucoup d'emprunts, c'est la spiritualité. Et quand je dis la spiritualité, c'est encore un peu trop inclusif et vague. En fait, pratiquement toutes les références spirituelles qui sont faites dans les textes de collapsologie se font en direction d'une seule tradition, celle du bouddhisme. Alors ça tombe bien, pour le coup, dans les paroles de Bouddha, Bouddha disait « J'ai voulu faire venir un lama ce soir, et puis pour ne pas être le porteur de cette parole-là, parce que je ne vais pas faire de prosélytisme, mais il se trouve que dans les paroles du bouddhisme, le Bouddha dit « Doutez de tout et à commencer par ce que je vais vous dire, ce qui est très bien, c'est complètement en phase avec les recommandations du gouvernement pour éviter les sectes. Je vous ai laissé un petit texte, si ça vous intéresse, qui explique pourquoi il y a cette... Enfin, entre autres, un petit extrait, mais qui explique pourquoi le bouddhisme fait cette place au doute, et histoire quand même de ne pas être exclusivement dans cette tradition spirituelle. Je vous ai mis aussi une planche de loge maçonnique qui travaille sur la notion de doute et l'intérêt et la pertinence de la notion de doute dans la société contemporaine. Et je crois que c'est maintenant que je vais repasser la parole à Julie, justement, une fois qu'on a mis ce petit warning sur le risque des groupes charismatiques, sur les recommandations en termes de praxis spirituelle qui sont faites pour composer avec nos émotions. Donc du coup, en fait, je voulais vous présenter ce soir ce que j'ai trouvé et ce qui m'a aussi aidé dans mon cheminement et ma prise de conscience de l'effondrement. Donc je vais vous présenter deux livres différents. Donc le premier, ça va traiter d'éco-psychologie. Donc en fait, l'éco-psychologie, c'est un domaine qui est encore très mal défini, très jeune, et ça c'est une des tentatives de définition faite par un site français d'éco-psychologie qui a été fait par des psychologues, mais j'ai pas du tout je connais pas du tout leur pertinence sur le sujet. C'est la seule chose que j'ai réussi à peu près à trouver en français. Et donc ce terme d'éco-psychologie, ça a été défini dans les années 92 par un historien et écrivain. Et on va dire dans les grandes lignes, c'est l'étude de la relation homme-nature à travers des principes des sciences de l'écologie et de la psychologie. Elle a aussi pour but de développer et de comprendre comment améliorer les liens émotionnels avec la nature et de développer des méthodes de motivation positive pour adopter des pratiques soutenables. Donc c'est des questions qui sont très importantes dans un contexte d'effondrement où les comportements de l'homme sont complètement à changer si on veut réussir à aller vers quelque chose d'un peu plus positif. C'est une remarque, là, sur cette planche, là, tu l'évalues, l'autorité catastrophique, mais tu la présentes quand même, je ne sais pas, l'air et le bouche. C'est Nicolas qui... Ouais, il n'y a rien de démontré dans la tradition de l'éco-psychologie. Mais je la présente parce que clairement, c'est le point de départ du bouquin de Servigne quand il dit « Allez lire Johanna Messi ». Et pour le coup, Julie avait déjà bien lu Johanna Messi, on a essayé d'approfondir et de voir jusqu'où ce qu'elle propose, c'est critiquable ou pas. Je ne peux pas rappeler ce que c'est les méthodologies. Autorité, maîtrise. Autorité, ça veut dire que c'est reconnu scientifiquement ou pas. Et maîtrise, ça veut dire que nous-mêmes, on est capable d'en parler ou pas. Du coup, là, c'est pas reconnu scientifiquement. Bah, en tout cas, nous, à notre échelle, on n'arrive pas à déterminer si c'est reconnu ou pas. Non, donc là, on peut dire. Enfin, en l'espèce, là, on peut dire que non. Quoi. Ouais. Clairement pas. Enfin, ça sort bien quelque part, ça. Bah, c'est un site qui s'appelle, je crois, ecopsychologie.fr qui essaye, qui a pour but de tenter de donner une définition de l'éco-psychologie et de faire un peu le tri dans tout ce qu'il y a. C'est quelque chose qui a été initié et qui est beaucoup plus développé
aux États-Unis, donc il y a beaucoup de choses en anglais sur l'éco-psychologie, mais même en lisant les sites en anglais et les sites en français, on ne retrouve pas vraiment la même chose. Comment vous dites que ce n'est pas reconnu scientifique, que ça n'a pas été validé En fait, c'est une approche qui est interdisciplinaire et qui va faire appel à des choses de la science, de l'écologie, de la psychologie, mais aussi à des choses qui viennent de la spiritualité. Et du coup, c'est très compliqué de remettre quelque chose de scientifique là-dessus. Là, Johanna Messi, dans le cas, j'anticipe un peu sur ce que tu as présenté, mais Johanna Messi, par exemple, eh ben, c'est quelqu'un, quand on s'intéresse à sa trajectoire, elle a été activiste anti-nucléaire, elle a fait des choses là-dedans, elle a étudié le bouddhisme, après elle a étudié la psychologie, elle propose une synthèse de tout ça dans ses ouvrages. On voit, ce que nous on peut dire aujourd'hui, c'est clairement ça a été inspirant pour beaucoup de collapsologues, entre autres, mais elle a rayonné un petit peu en dehors. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que par rapport à ce qu'on sait du bouddhisme, elle a une vision qui est pour le moins partielle, et elle fait des emprunts qui sont un peu cavaliers, déjà de la tradition bouddhiste. Et après, bah, je voulais être juge de ce qu'elle propose comme routine pour justement sortir des émotions négatives et se remettre à l'action, mais il me semble que ça participe à un courant New Age qui est très tangent. Voilà, c'est ça qu'on peut dire, c'est ça qu'on peut dire à l'issue de nos lectures. Et le point vert, c'est des choses qui vous parlent beaucoup, du coup, en gros, pour simplifier. Non, c'est des choses qui parlent à beaucoup d'autres que nous et qui sont établies, où il y a eu des preuves établies et voilà. Ça, c'est sur autorité, hein. C'est vert, orange, rouge. Et dans le cadre de ce qu'on a vu là, ça nous semble, avec un cliché, mais ça me semble très New Age, dans le mauvais sens de New Age. C'est-à-dire avec plein d'emprunts un peu sauvages à différentes traditions, et avec une synthèse qui, à la fin, fait un peu de la bouillie de pensée. Oui. Parce que c'est cité par Servigne dans la première page de son livre. Et ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher pour certaines personnes aussi. Et indépendamment de ça, moi, je suis là pour être ce que j'appelle sceptique constructif. Sceptique, ça veut dire que j'essaye de voir si on peut croiser des sources de façon journalistique ou encore mieux de façon scientifique. Et constructif, ça veut dire que je vous lis. Si je vous en parle, c'est parce que je pense que c'est dans la problématique. Mais avec ces petits warnings, parce qu'après ça vous appartient. Moi je veux pas prendre la responsabilité de vous donner des trucs que je pense. Après ça peut faire partie du débat, mais j'ai une opinion, et cette opinion pour le coup elle est globalement assez je comprends, mais je trouve ça très faible, voilà. Et ce qu'il faut rajouter, c'est qu'en fait, d'après mes recherches, c'est la seule approche qui propose. Johanna Messi a fait cette approche pour répondre à la problématique de l'effondrement. Comment forger sa résilience psychologique et comment réussir à passer à l'acte et à amener toute la société vers une transition ou comment survivre, on va dire, à l'effondrement. Pour passer à service. Et juste une précision qui est très importante, c'est que Johanna Messi ne se revendique pas éco-psychologue. Ce sont les éco-psychologues qui lui ont mis une étiquette éco-psychologie parce que ça correspond exactement à ce que eux définissez comme éco-psychologie, mais elle ne se revendique pas éco-psychologie, et en fait dans la traduction du livre en français qui s'appelle Éco-psychologie pratique, bah là pour le coup les traducteurs lui ont clairement collé cette étiquette d'éco-psychologie. Donc voilà, c'est important de mentionner que Johanna Messi, elle a vraiment mis ça en pratique. Donc à la base elle est docteur en sciences des religions, elle est aussi bouddhiste, elle est allée chercher des données dans plein de domaines différents. Elle a travaillé avec des psychologues, des psychiatres, etc. Et elle a construit au cours des années un travail qui se fait en présentiel sous forme de workshop avec les gens pour les amener à retrouver cette connexion avec les autres, avec la nature, avec la terre, et de trouver comment passer à l'action, de sortir du désespoir face à la prise de conscience de l'effondrement et comment réussir à passer à l'action. C'est du chamanisme en fait. Alors il y a plein d'emprunts à des choses différentes, peut-être qu'il y a des choses qui se rapprochent du chamanisme, mais c'est compliqué au final de faire le tri dans tout ce qu'elle a pu. Faut rappeler une bière pour que je réponde à cette question. c'est 10 minutes ça. D'accord. Donc je vais aller rapidement parce qu'on a un peu beaucoup dépassé le temps.
Donc vous pourrez aller voir si vous, ça vous intéresse. Le seul livre qui existe en français, c'est ce livre, Éco-psychologie pratique. Après, il y en a aussi en anglais. Je vous ai mis la version EPUB sur le Drive, si ça vous intéresse de regarder ça. Alors, bah, déjà, première question. Avant qu'on rentre dans les détails de ce qu'il y a chez Johanna Messi, je voulais vous demander déjà si vous connaissiez Johanna Messi auparavant ou pas. Ah pardon, réponse 1, oui, vous aviez déjà lu des choses. 2, vous en avez entendu parler. Réponse 3, non, pas du tout. Ok, donc elle n'a pas une notoriété formidable, mais rassurez-vous, enfin en tout cas pas complète chez nous, rassurez-vous, c'est corrélé aussi avec ce qu'on a mesuré sur, en termes d'audience sur... Sur le net, en fait, il y a un problème de barrière de traduction. Très schématiquement, Servigne, il est connu dans les pays francophones, Belgique et France essentiellement. Et Johanna Messi, elle est assez connue en Amérique du Nord, mais ses livres, enfin à la fois ses livres et puis son audience, se sont pas du tout diffusés par ailleurs. Par rapport notamment à en jaune à Jean-Marc Jancovici dont on parlait tout à l'heure, qui est globalement, mais ça c'est une info dans l'info, qui est globalement plus, beaucoup plus connu que Servigne. Rapidement, je vous présente les fondements théoriques de tous ces travaux. Pour elle, donc le monde, elle dit que le monde duquel nous sommes issus et dont nous faisons partie est vivant. Que notre véritable nature est beaucoup plus ancienne et inclusive que la personne séparée définie par l'habitude et la société, que l'expérience de notre douleur pour le monde jaillit de notre interdépendance avec tous les êtres, d'où provient aussi notre pouvoir d'agir en leur nom. Ce déblocage a lieu quand notre douleur pour le monde n'est pas seulement validée intellectuellement mais ressentie, donc là elle montre l'importance des émotions. Et lorsqu'on se relie à la vie en endurant volontairement sa propre souffrance à son égard, l'esprit recouvre sa lucidité naturelle. Et enfin, l'expérience de reconnexion avec la nature de la Terre suscite le désir d'agir en son nom. Donc présenté comme ça, ça fait pas vraiment scientifique. C'est quelque chose qu'elle a construit de façon empirique depuis les années 70-80 en travaillant avec des gens sur ces questions. Et voilà, c'est les travaux qu'elle a... les travaux de sa vie en fait. Et ce qu'elle a fait, c'est ce qu'on appelle le travail qui relie, qui est présenté en 4 étapes. Donc soit on peut le faire individuellement en lisant le livre, mais elle préfère que ce soit en groupe pour le partager avec des gens. Et donc c'est sous forme de cercle vertueux. La première étape, ça va être d'affirmer sa gratitude. Donc se remémorer la beauté de la vie, le cadeau précieux que nous avons reçu en naissant dans un univers magnifiquement orchestré. Voilà, remercier tout ça et réorienter notre regard qui est d'habitude happé par les objets à consommer ou à produire. Donc c'est une étape, la première étape c'est l'étape de la gratitude. On verra que cette gratitude elle est aussi présentée par d'autres personnes de domaines complètement différents. Voilà, donc ça on va y passer, c'est un exemple d'exercice qu'elle proposait, des phrases ouvertes qu'il faut compléter pour travailler sur ça. La deuxième étape ça va être de reconnaître et d'honorer notre douleur pour le monde, donc travailler sur notre désespoir. Voilà, mettre des mots sur tout ce qui nous fait souffrir, qui nous fait peur, etc., dans la situation actuelle, dans ce qu'on imagine qui pourrait se passer dans l'effondrement. Et elle dit que cette étape de prise de conscience, de poser des mots sur les émotions, c'est très important pour prendre conscience de notre responsabilité aussi dans tout ça. La troisième étape, c'est la conséquence des deux premières étapes, qui est la mutation, qui permet de voir le monde avec des yeux neufs. Ce sentiment de douleur va révéler l'interconnexion avec les êtres, puisqu'en fait, c'est normal qu'on souffre dans un monde qui est, entre guillemets, malade. Notre société ne va pas bien, et on pourrait voir ça comme un signe de bonne santé, de se sentir mal dans une société qui est malade. On peut le résumer comme ça, et on n'est pas seul là-dedans, et c'est un ressenti qu'on peut voir collectivement chez de nombreuses personnes. Ça permet aussi de pouvoir se relier à plus grand que notre propre personne. Et enfin la quatrième étape,
en suivant ces trois étapes, ça nous permettrait de pouvoir passer à l'action et de refaire le pont avec notre vie quotidienne en fonction de nos connaissances, nos passions, nos aspirations, de trouver, redéfinir le sens de notre vie et comment on va pouvoir agir face à l'effondrement. Donc voilà, je vous ai présenté rapidement ces travaux. Je ne suis pas du tout psychologue, psychiatre, je n'ai pas du tout d'expertise là-dedans. Simplement pour vous dire que moi, quand j'allais très mal par rapport à la prise de conscience de l'effondrement, il y a beaucoup de choses dans ce livre qui m'ont aidé à avancer. Après, je ne sais pas leur pertinence, c'est à chacun de faire sa propre expérience. Il n'y a aucun autre domaine ou aucune autre personne, à ma connaissance, qui allait aussi loin dans la proposition d'aide pour faire face aux difficultés face à l'effondrement. Ça vaut ce que ça vaut et voilà. Après, j'ai trouvé une seule critique en français sur ce livre d'éco-psychologie. Vous pourrez aller voir si vous voulez. Je pense qu'il y a des choses qui sont pertinentes. La façon dont la personne rédige sa critique laisse montrer qu'il y a quand même des failles dans la façon dont elle critique le livre. Et je pense qu'il y a des choses aussi pertinentes à prendre. Je voulais juste rapporter par rapport à la connexion à la nature, c'est quelque chose qui peut, surtout dans le domaine scientifique, peut paraître vraiment New Age ou toutes ces choses-là. Mais je voulais ramener quelques faits scientifiques là-dessus. En fait, on est constitué en moyenne de 65% d'eau. L'eau, il y en a une quantité limitée sur Terre et probablement que des molécules d'eau qui font partie de notre corps, elles étaient peut-être au sommet d'un glacier il y a quelques millénaires. Elles ont composé certains autres, elles étaient dans les fleuves ou des choses comme ça. En fait, on est composé de choses qui ont été, de molécules qui ont composé d'autres choses avant. Hubert Reeves disait aussi que nous sommes tous des poussières d'étoiles, et c'est vrai, on est à 97% fait, toutes nos molécules sont faites de poussières d'étoiles d'il y a des milliards et des milliards d'années. Donc c'est dans ce sens-là, on peut ramener cette notion de connexion à la nature par des faits scientifiques. Et le dernier que je voulais vous présenter, qui est plus dans mon domaine de spécialité, c'est la notion d'holobionte. En fait, au niveau des arbres phylogénétiques, on parle d'homo sapiens sapiens que nous sommes, mais on se rend compte depuis récemment que homo sapiens sapiens, il n'existe pas tout seul. On héberge en nous ce qu'on appelle des microbiotes. Donc le plus connu, c'est le microbiote intestinal qui est dans notre estomac, et on ne peut pas survivre sans ce microbiote intestinal. Il fait partie intégrante de nous. Il va réguler et contrôler une partie de notre cerveau. Il est essentiel pour notre système immunitaire. Donc en fait, on n'est pas vraiment humain, on est aussi bactérien. Et ça, c'est quelque chose qui remet en cause beaucoup de choses dans le domaine scientifique, parce qu'on n'est plus ces arbres phylogénétiques. En fait, on perd un peu de leur pertinence, dans le sens où on n'est pas que des humains, on est aussi des bactéries, parce que sans elles, on ne peut pas vivre, on ne peut pas grandir, on ne peut pas survivre. Et voilà, en fait, les limites entre ce qu'est un être humain et la nature devient de plus en plus floue. On peut faire le même rapport avec notre alimentation. On ne peut pas survivre si on ne mange pas, et tout notre corps est constitué de ce qu'on a mangé. C'est les molécules de notre alimentation qui nous ont construit. Donc si on mange des choses qui sont polluées, on va aussi être au final de la pollution. Donc voilà, c'est un peu des aspects scientifiques pour ramener et montrer que cette connexion à la nature, c'est pas un truc de New Age, de chamanisme ou quoi, il y a aussi des faits scientifiques derrière qui sont vraiment à prendre en compte. Voilà, donc Krishnamurti, pour le citer, si nous perdons contact avec la nature dont nous faisons partie, alors nous perdons la relation avec l'humanité, avec les autres, parce que nous faisons partie de la nature. Et juste très rapidement, un deuxième livre, donc ici c'est pas de l'éco-psychologie, c'est à ma connaissance le seul livre qui traite de cette résilience psychologique face à l'effondrement, qui s'appelle « Se changer, changer le monde » avec 4 experts, Christophe André, psychiatre, qui a vraiment développé la méditation de pleine conscience en France dans le domaine médical, Jon Kabat-Zinn, qui est, on va dire, l'équivalent aux États-Unis, Pierre Rabhi, qui est un agriculteur et penseur français,
Et Mathieu Ricard, qui est le représentant français du Dalai Lama, et qui s'intéresse aussi beaucoup à la neurologie et les impacts sur le cerveau de la méditation pleine conscience. Et donc dans ce livre, en fait, ils arrivent à la même, par des voies totalement différentes, aussi à ces deux voies proposées chez Fourcade. La voie extérieure, s'engager au niveau social, humanitaire, politique, et le travail sur soi pour acquérir la résilience psychologique. Voilà, donc ils citent tout un tas de penseurs, et c'est quelque chose aussi qui personnellement m'a beaucoup aidé, et je pense que ça pourrait, je vous le donne aussi comme source ou quelque chose qui pourrait vous aider, c'est de relire des grands penseurs, des philosophes, etc. Et ça permet de prendre du recul face à l'effondrement et de trouver des potentielles voies d'action pour nous et dans notre vision du monde. Voilà. Hubert disait, la pollution n'est pas un gros problème, mais 6 milliards de petits problèmes. Donc en fait, il y a potentiellement 6 milliards de petites solutions. Donc ça, c'est pour ramener le problème à notre échelle et ne pas tomber dans la résignation. Voilà, donc je vais aller très rapidement, vous pourrez aller voir ça plus en détail, mais voilà, il propose des solutions pour répondre au mal-être contemporain, assumer notre responsabilité dans l'effondrement qui est en cours, comment devenir plus responsable et libre dans nos choix. Ils apportent beaucoup d'informations sur la méditation pleine conscience, donc ça, c'est vraiment basé sur des preuves et des expérimentations scientifiques avec des neurologues, des psychiatres, etc. La méditation de pleine conscience permet cette résilience psychologique, ça permet de mieux identifier ses émotions, ce dont vous a parlé Héloïse. Se changer soi-même permet de se libérer de certaines toxines mentales qu'on peut avoir. Ça apporte de la gratitude, de la sérénité, de l'engagement, de la joie et d'autres émotions positives. Et c'est un peu indépendant de ce dont on parle ici, mais ça permet des guérisons plus rapides de certains traitements médicaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime vraiment, c'est la puissance de l'esprit sur notre corps et sur la guérison de notre corps. Et là, on pourra en discuter si vous voulez, mais récemment, il y a beaucoup d'études scientifiques très valides qui montrent que notre esprit a vraiment un impact énorme sur notre corps. Voilà, une étape en particulier importante qui mentionnait, c'est l'étape d'indignation, qui est d'exprimer notre colère, d'exprimer tout ce qui nous énerve, ce qui ne va pas dans ce monde-là. Et c'est vraiment là-dedans qu'on peut trouver la force d'agir et de trouver des nouveaux objectifs pour avancer. On a vraiment la nécessité d'une intention pour aller de l'avant et pour pouvoir agir. Voilà, je vais sauter là-dessus, vous pourrez aller voir si vous voulez. Pareil sur le... Ça, c'était la même chose que tout à l'heure. Je vais reprendre la main parce que finir très vite avec cette dernière séquence. Donc, résumé, on a vu que à travers des emprunts, à mon avis approximatifs, mais de la vie et de l'expérience de Julie utiles, même s'ils sont approximatifs, à des traditions spirituelles, on peut déboucher pour sortir de ce problème de submergé par des émotions. On peut déboucher sur des recommandations de passage à l'action, de pratique de la gratitude, de méditation, de pleine conscience, etc. Alors juste dans cette dernière rubrique, je vous ai fait un petit inventaire comme ça des solutions qui vous sont données. Alors déjà, si tout le monde est d'accord pour dire que ça vaut le coup de se réunir pour pas rester tout seul, à la fois, encore une fois, pratiquement tous les auteurs qu'on a lus, venez au Café Collapse, moi ça me fera plaisir, et puis après on aura des débats. C'est déjà un coup de réponse. Alors, Julie l'a frôlé, puis alors, pour le coup, ça pourrait faire l'objet, non pas de café, comme ça, conférence débat, mais d'ateliers d'écriture. Clairement, beaucoup d'auteurs en collapsologie militent pour écrire de nouveaux débats en militant de nouveaux imaginaires. Et peut-être que si vous allez sur le Drive, vous trouverez certains films déjà conventionnels, un peu connus et tout ça, mais il y a d'autres récits à inventer. Alors pour inventer ces autres récits, je les ai ratés, mais il n'y avait pas plus tard que samedi dernier un atelier d'écriture qui était tenu par des personnes motivées à la fois par les courants féministes, anarchistes et très deep green aussi, qui s'appelle les ateliers de l'antémonde. Alors je les ai contactés, elles ne pouvaient pas être là ce soir. En général, elles se baladent dans tout l'est le grand est de la France, et la prochaine fois qu'elles viennent à Grenoble, si ça vous intéresse, moi en tout cas je vais essayer d'y aller, c'est le 23 mars 2018 au café Le Midi Minuit, rue Saint-Laurent.
2019. Merci. Sophie, merci. Alors donc voilà, les ateliers d'entraînement. Et puis, pour dépasser les difficultés cognitives aussi, on a une modalité qui est bien porteuse et bien fraîche en ce moment, c'est ce qu'on appelle le serious game. Bah, Mathieu, si tu veux en parler déjà. Donc c'est un atelier pédagogique qui a été créé par un gars qui s'appelle Cédric Gilbar, qui a été le président du Shift Project à Calédon, et qui consiste sur la forme d'un jeu qui sensibiliser au phénomène de. En fait, c'est le rapport du jet, rapport scientifique du jet polémique. On va poser des cartes sur un plateau. Avec différents phénomènes, et vous les voyez avec des relations de cause à effet, et vous parlez, vous passez de l'arrivée de l'homme et du développement de l'activité industrielle jusqu'à l'arrivée des guerres, des famines, etc., en passant par le phytoplancton. On va résumer. C'est un jeu auquel je vais former, je suis disposé à animer. Et si les gens qui sont intéressés, je voudrais bien proposer de se réunir ce soir pour faire une séance. Donc je peux animer 3 tables de 6 personnes, une vingtaine de personnes, ça se. Merci de t'être signalé. Puis clairement, ça fait partie des façons de dépasser ce problème de compréhension de la complexité par le jeu, de dépasser le problème de la complexité des enjeux climatiques. De la même façon, je vous ai trouvé sur internet à la fois un carnet de jeux de rôle. Hein, les collapsonautes invités à le faire. Essayez de vivre un week-end comme si on avait passé le collapse et que vous avez plus de l'électricité que par intermittent. Que vous vous chauffez à 17 degrés, que vous pouvez plus manger que des légumes. Enfin, faites l'expérience deux jours et puis notez ce que vous ressentez. Vous verrez, je pense que ça peut être une expérience constructive. Toujours dans l'ordre de la compréhension, si vous êtes intéressé par le rapport Meadows et sa complexité, sachez qu'il y a en ligne, vous avez la possibilité de jouer avec les paramètres du rapport Meadows. Alors ça fait très geek, hein, mais bon, voilà, c'est toujours pareil, histoire de mieux comprendre. Et de mettre les mains dans le moteur de cette complexité du climat, c'est là. Ça, je vous en ai parlé, c'était les collapsonautes. Héloïse vous en a parlé, c'était les grandes recommandations qu'elle faisait tout à l'heure. La méditation pleine conscience, ça marche. Et pour le coup, ça s'est étayé scientifiquement. Le fait de maximiser ses interactions sociales, ça marche aussi. La relaxation, et puis j'aime beaucoup cette idée que, enfin, ce rappel, que le fait d'avoir du vocabulaire, en fait, c'est se donner les moyens de mieux comprendre. Enfin, plus on a de vocabulaire, mieux on comprend le monde. Et donc, lisez, parlez, faites attention aux mots, c'est précieux. Ça vous aidera à avancer. Il y a une théorie qui s'appelle, si tu voulais en parler, qui s'appelle ACT, aussi dans l'ordre des réponses. Je vais essayer de faire rapide. Et de me faire comprendre en étant rapide, c'est déjà, pour situer l'acte, la thérapie d'acceptation d'engagement, c'est issu des thérapies cognitivo-comportementales, qui est plutôt orientée comportementale. Donc c'est typiquement des techniques, enfin des thérapies fondées sur la preuve. Je le précise, cela dit, je voudrais aussi préciser que tout ça, pour moi, c'est des outils. Donc il peut y avoir des choses pas du tout fondées sur la preuve et qui sont utiles et efficaces. Et ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait des choses et pas toujours la preuve scientifique. Ça n'engage que moi. Je voulais le préciser. En tout cas, je trouvais cette thérapie peut-être intéressante pour 4 points. Premier point, c'est de toute façon, on ne peut pas aller à l'encontre de ses pensées, de ses émotions. Donc les accepter. Après, il y a des outils plus ou moins pour ça, ou simplement rien en faire. Donc accepter ses émotions, pouvoir agir indépendamment de ses pensées. Quand on a des pensées qui nous perturbent, et ben se libérer de ça et pouvoir agir malgré ses pensées, parce que de toute façon on ne peut pas supprimer une pensée non plus. Donc voilà. Et l'idée, c'est de s'engager dans l'action et dans une action en direction de nos valeurs. Donc ce qui est intéressant là, c'est s'engager en action et en direction des valeurs, ça nous permet de réinterroger, je trouve, des périodes comme celle qu'on est en train de vivre, ça pose la question de nos valeurs personnelles, des valeurs de la société, comment on les réinterroge, qu'est-ce qu'on fait, comment on va vers ces valeurs-là.
Et l'idée centrale de tout ça, c'est la flexibilité psychologique. Qui dit flexibilité psychologique, dit flexibilité comportementale, donc dit adaptation. Et dans un univers où on ne maîtrise rien et on ne sait pas ce qui va se passer, et ben je me dis que d'être flexible, ben c'est peut-être un bon outil. Voilà, je fais le cours. Merci, puis, et vous pouvez lui payer une bière après pour lui en demander plus si ça vous intéresse. Les notions qu'elle a abordées vous intéressent et je ne doute pas que ça va intéresser du monde. Et pareil, vous avez d'autres slides. Alors, on avait un angle mort, mais j'ai trouvé un angle mort sur les thérapies qui sont disponibles pour composer avec ce genre de choses. Il y a notamment les thérapies existentielles. Et le problème, c'est que je les ai identifiées un petit peu tard et que j'ai pas eu le temps de me pencher dessus pour vous en parler. Du coup, je sais pas si c'est pertinent ou pas. On le laisse dans les slides. Et puis, voilà. Pour nous, c'est pas investigué, mais c'est dans ma pile de bouquins. Ça, on vous en a parlé. Alors, notre ami Pedro, qu'est-ce qu'il est devenu ? Vous vous souvenez, Pedro qui tendait la main là pour boire des bières avec des Parisiens. Comme les Parisiens sont pas venus, en fait, le pauvre Pedro, eh ben, il a raté son passage à l'action. Et le fait est que il ne publie plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux sur lesquels il était inscrit. En tout cas, moi, j'ai pas retrouvé trace de lui. Et je lui ai envoyé un message pour lui proposer une interview en Skype et de l'enregistrer, puis qu'il puisse vous amener son témoignage. Mais bah, le fait est qu'aujourd'hui, Pedro, il est sous le radar parce qu'il n'a pas trouvé les réponses à ses angoisses existentielles liées au collapse sur les groupes. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus, mais je vous laisse son dernier message d'au revoir, si vous voulez le décrypter et essayer de spéculer comme moi sur ce qui a pu lui arriver. Personnellement, plutôt que de retourner, alors quitte à parler bouddhisme, après ça n'engage que moi, mais je vous invite à retourner au Dharmapada et à retourner à d'autres sources, plutôt que de passer par la lecture qu'en fait Johanna Messi. Aller aux origines du Dharma et peut-être cultiver, mais ça on le dit tous, les deux qualités de l'esprit pour des méditants bouddhistes, que sont d'abord la capacité d'introspection, la vue de l'intérieur. Quand on médite, on voit comment se forment nos émotions et on obtient en bénéfice à un esprit plus calme, et puis effectivement la tranquillité, le calme de l'esprit par la pratique du Dharma, seul ou avec en communauté, peut-être, si ça vous intéresse, pareil, je pourrais vous en parler, mais après. Alors, ça c'est plus pour le sourire, mais c'est bien, c'est le même illustrateur qui avait fait la courbe du deuil, qui nous a fait les grandes postures des collapsologues. Mon ami Geoffrey Dorn, alors peut-être qu'un jour on le fera venir, qui est designer et très proche de beaucoup de collapsologues, lui, clairement, dans sa vie, il recommande de se former. Alors, il sait déjà faire beaucoup de choses, mais il est sorti de sa zone de confort, et puis dès qu'il a du temps disponible, il apprend à fabriquer des outils, il apprend la permaculture, et je pense que quand on développe son autonomie, on en acquiert en retour plus de sérénité face à des risques qui se présentent à nous. On en fera clairement un autre café collapse, mais je sais pas quand. Le fait de pouvoir militer pour faire de sa colère quelque chose de constructif à travers du militantisme ou de l'activisme, et pas oublier que, comme les disent les poètes de Rage Against the Machine, la colère c'est un don, donc l'oublions pas. Et puis après ça c'est plus personnel, mais je vous le recommande vraiment parce que ça marche. Et quand j'en parle à des gens qui sont dans l'urgence de l'action face à la collapsologie, je vous assure que ça marche bien. Et prenez-vous une demi-journée pour vous et allez en montagne ou trouvez-vous un cagibi comme ça, bien reclus, et prenez le temps de réfléchir à ce qu'il y a derrière vous, aux gens à qui vous n'avez pas dit merci, à tout ce que vous n'avez pas fait. Faites votre testament et quand vous allez en sortir, vous verrez, ça libère. Et pour le coup, dans d'autres spirituels, notamment la franc-maçonnerie, ça fait partie des pas des épreuves, mais presque des entrées initiatiques qui font que vous allez développer une autre disposition face au monde et à ses œuvres. Donc voilà, moi je vous le recommande. Et puis après, le fin du fin, surtout quand on habite entre Belledonne, la Chartreuse et le Vercors, et ça tout le monde le dit aussi, c'est d'aller marcher. Donc ça vide la tête, et vous pouvez demander soit à des philosophes et essayistes comme Soro, soit à plein de neuropsychologues qui vous expliqueront que c'est peut-être la meilleure gymnastique pour sortir de l'angoisse.
Alors, ben voilà où on en est. J'ai fait un slide qui récapitule tous les problèmes qu'on a vus par rapport à la gestion des émotions, toutes les explications quand on en a trouvé, et puis éventuellement des solutions disponibles. Si vous voulez le compléter, n'hésitez pas à envoyer un mail, et puis parce qu'on a peut-être sûrement même pas tout vu, mais on a essayé ce soir de vous faire un gros travail de recherche documentaire et de pondération de ce qu'on a lu sur ce problème des émotions, de la gestion des émotions, éventuellement des solutions disponibles, crédibles ou pas. On vous a fait un petit résumé, je vous fais grâce de ça, puis maintenant c'est la place pour le débat quoi. Puis vous avez toutes les références après. Voilà, on vous écoute et puis on peut partager. Voilà.